Et salut à toutes et à tous, on est en live pour une nouvelle session sur Tezo The Elder Scrolls Online avec ma voix en moins. Elle est partie, mais elle reviendra bientôt. Donc je ne suis pas tout seul, je suis avec Désastre. Coucou Désastre. Salut Crane, salut à tous. Et avec Bob Lennon. Bonsoir, je suis là en pleine forme et regardez, je fais du bruit à sa plane. Comme si ça allait les étonner. C'est ça. Le gars qui va être excessivement chiant, voilà, et qui va être tenté de ne pas faire mourir le pauvre Crane ce soir, alors que nous continuons Merkmeyer ou Tourbevaz, et je comprends pourquoi ils ont gardé le titre en anglais. C'est vrai que Merkmeyer, c'est plus classe. Ah bah alors que Tourbevaz, ça fait un petit peu ce que tu trouves dans le fond du siphon de ton évier quand tu le nettoies, tu vois. C'est pas sexy. Tu dois pas le nettoyer souvent, le tir. Oh bah, si, mais quand je le nettoie, c'est un DLC de Tezo. Qu'est-ce qui se passe? Du coup. Alors là, tu vas dans une direction. Est-ce que tu as un but précis? Oui, tout à fait. Nous allons retourner dans la ville de la dernière fois où nous avions discuté avec une sous-race de lézards. Quand je dis sous-race, c'est sous-espèce, hein, c'est pas une insulte, c'est la classification, bien sûr, de lézards. C'est pas ton genre de les insulter. Si, mais là, pas pour ce point précis, s'il te plaît, parce qu'il y a l'insulte, tu sais, qui vient du cœur, et puis il y a le scientifisme, voilà. La science ne permet pas ce genre d'insulte. Alors que moi, derrière, je les traite, et je les traite de gros connards qui savent rien, bien sûr, mais dans l'absolu, voilà, là, pour le coup, je reconnais juste que, voilà, c'est une sous-espèce, donc des argoniens, qui sont des nagas, donc qui ressemblent plus à des geckos, j'imagine, à des gros geckos moches. Et du coup, on venait chez eux histoire de chier sur leur culture et de les empêcher d'envoyer leurs gamins au suicide lors d'une épreuve martiale qui leur permettait de devenir les guerriers de leur village. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Voilà. Cette épreuve martiale divise le village en deux. D'un côté, il y en a qui disent « Oh, mais c'est trop dur, il faut quand même arrêter de les envoyer au suicide, nos pauvres petits !» Et d'autres qui disent « Mais il y en a un, il a bien réussi !» Donc ça veut juste dire que tes gamins, c'est des... comment on dit, tu sais, les grenouilles avant qu'elles deviennent des grenouilles? Tétards. Merci. C'est des tétards. Voilà. Voilà. Avec toute la connotation sexuelle que cela implique. Voilà d'où venait la dissension. Et à la fin, nous devions trancher et nous avions décidé, ou nous décidiam, de passer nous-mêmes l'épreuve afin de prouver que l'enseignement de l'ancien maître d'armes qui éduquait auparavant les gamins et qui ne leur faisait pas passer une épreuve trop dure est meilleur que celle de l'actuel maître d'armes. Et donc, en fait, nous validons quelque part son épreuve, qui veut juste dire qu'il faut garder l'épreuve de la maître d'armes ultra chaude, mais qu'il faut l'enseignement du vieux gars. Mais après, je commence à souligner les points de scénario, et c'est un désastre. Bonjour. C'est pour ça. Du coup, continuons. Jarelli, je crois que c'est elle, là, non sinon... On doit lui parler. Attends, déjà, on va regarder. Kishu, les rites de la maturité, c'est tome 3. C'est laquelle de quête? Le nom? Aucune idée. Voyons voir. On veut créer un monument à l'honneur du dieu. Non, c'est pas ça. Les ah non, c'est celle-là. La mort road à Aigues Mortes. Et attention, résumé. Le Nagakur, la tribu d'Aigues Mortes, a condamné à mort l'un des siens, Kishi, pour avoir perturbé les rites de passage et sauvé quelques jeunes Nagas d'une mort certaine. L'un des survivants m'a demandé si je pouvais aider Kishi. Rajkal Silan a accepté de me laisser suivre le sentier du Lys. Je dois retrouver Kishi à l'entrée pour entamer le rite de passage et enfin terminer d'aller poser ma pêche au fond des bois. Très bien. Enfin, au fond du marais, j'ai raté mon coup. Mais... Ok. Oh putain, il y a Raiden. Attends. De là, attends. Ouais, en fait, on a la quête à valider tout à l'ouest. Où est-ce? Plein ouest. À l'ouest du village. C'est à gauche? Ok, ouais. Faut sortir du village à l'ouest. Très bien, on sait. Et donc oui, nous discutions la dernière fois des bienfaits... Après, est-ce qu'on peut sortir par là? Des bienfaits et des avantages d'une certaine forme de colonialisme ou de nous qui débarquions et qui forcions la main dans une culture ou notre implication dans une culture qui n'était pas la nôtre. Oui. Avec les oppositions, bien sûr, du paradoxe que les mecs de cette propre culture ne font que nous demander notre aide. La dernière fois, c'était à peu près censé parce que c'était le Ist, c'est-à-dire la divinité arbre, qui nous le demandait. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est un peu... C'est un peu personne peut aller contre le Ist, quoi. Quand le Ist, il dit, bah le Ist, il fait. Enfin, tu fais, quoi. C'est pas... Jusque-là, ça me paraissait cohérent. Mais là, c'est vraiment socialement tout le monde qui se dit « Allez, règle nos problèmes à notre place. Toi qui sais mieux que nous. » C'est ça. Donc du coup, allons-y, quoi. Du coup, c'est ça le sentier Ulysse? Vous avez découvert la forge du marais profond. Attention les contrepétris.
Il s'agit de sauver notre peuple, Merwadjez. Par la faiblesse et la ruse. Ok. Vous déshonorez notre tribu et le souvenir de mon frère de couvée. Peu importe. Si mes novices ne réussissent pas, votre étranger n'a aucune chance. Absolument aucune. Je continue de penser que même si Merwadjez a tort, ça n'est absolument notre place d'interférer, absolument pas notre place d'interférer dans ce genre d'affaires. Enfin bon. Oui, je suis assez d'accord. Après, on sauve quand même des gars, donc c'est pas... Enfin, des gars. Il y a de l'XP. C'est relatif. 3, 2, 1, clic. Les novices de Merwadjez échouent, car ils recourent à la force brute pour accomplir l'épreuve de passage. Écoutez-moi, et vous réussirez là où ils ont échoué. Une petite pensée. Que votre confiance soit mutuelle. Une petite pensée pour la voix du doubleur. Lui aussi, il ne devait pas être... Ah, il doit être fumeur, lui, c'est garanti, tu vois, il n'y a pas de mystère. Ah, c'est le mec, en fait, c'est pas Kishi, c'est Gitane, en fait, son nom, c'est la meilleure. Enfin, bon. C'est qui fume. Bon, du coup, désastre, il faut que tu lui parles, mais il faut que tu prennes la même voix. Attention, c'est parti. Mais... Que dois-je faire? Ah, tu le fais trop bien. La première partie du sentier comprend l'épreuve du mouvement. Tu le fais trop bien. Vous devez trouver le moyen de franchir la plus grosse fosse de sable mouvant de tout Tourbevaz. Vous connaissez les ronces-langues. Les plantes permettent de se repérer et d'éviter le danger. J'ai utilisé toutes les pierres à feu. Murky, accompagnez ces novices. Je vais donc vous accompagner. Je ne peux interférer avec vos épreuves, uniquement vous donner des conseils. Vous pouvez m'utiliser comme un outil pour obtenir un peu d'aide. Quoi ? Par exemple, mes flèches peuvent être utilisées pour attirer les ronces-langues. Mais c'est... Donc ton prof de maths, il t'accompagne pour le bac ? Mais il peut que te donner des conseils. Il a pas le droit d'écrire la réponse à ta place. Mais si tu demandes 4 x 4, il te dit 16. Tu vois, c'est... Il sait pas faire ça. Il peut te prêter sa calculatrice. C'est différent. Voilà. Non. Parce que là. À une épreuve où la calculatrice n'est pas autorisée. Oui, voilà. Et puis c'est lui qui s'en sert de la calculatrice. Parce que c'est pas toi qui tires les flèches, tu vois. Mais il donne pas la réponse. Il te montre juste l'écran où il y a marqué 16. Ouais, c'est pas pareil. Putain. C'est legit. Putain, alors il y a Hera sur le chat qui dit tous des Hennois. Et j'ai envie de dire oui. Tous des Hennois. Je vais emprunter le mot et puis allons-y. Mon premier objectif est donc d'utiliser les ronces-langues pour traverser les sables mouvants. Oui. Et l'objectif ultime est d'atteindre le tatou de signal et de l'allumer pour montrer que vous avez complété la première épreuve. Prenez cette flèche et pointez-la où vous souhaitez que j'utilise mon arc. Êtes-vous prêt à commencer? Moi, ça me fait marrer parce que j'imagine Désastre en face qui est là. Au fait, je peux poser une question. Oui, quelle est-elle? Pourquoi on chuchote depuis tout à l'heure? C'est ma voix normale. Ah, pardon, je suis désolé. Je pensais pas, hein, je voulais pas manquer de respect. J'avoue. Et c'est Désastre qui fait semblant de prendre la voix nulle. Mais à la fois, tu sais pas si c'est par gentillesse, tu vois, par décence ou par condescendance. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts? Ouais. Il fait chier exprès. Mais tu sais pas si le mec il troll ou pas en fait, il est trop pur, c'est désastre. Allez, vas-y, c'est quand tu veux. Je suis prêt. Mais fais pas cette voix toute la soirée, tu vas te tuer. Hein. Non. Tu vas te tuer. Je pense que juste pour ce connard, honnêtement. Voilà, juste avec qui. Attends, et parlons à Merwadjez juste avant. 3, 2, 1, clic. Parlez à votre mentor, saleté d'Ogel. Plus vite vous arpenterez le sentier, plus vite vous périrez. C'est pas cette épreuve de Hennois qui va nous retenir. Même pas nord. On rentre. Allons-y. Et tu vois, elle nous chuchote pas. Oui. Pointez la flèche que je vous ai donnée. Je me chargerai du reste. Oh. Eh ben ça marche bien.
Ah, c'est lui qui nous TP en fait. Et bah, c'est fonctionnel. T'y arrives? Oups. Je sais pas, je suis dessus, ouais, j'appuie. Et... Ah, c'est bon. Merci. Et alors, droite ou gauche? Et il y a Zygma, il y a un chat sur. Il pêche! Il y a un chaton, il pêche! Ah! Par là, ça passe? Oui, ça passe. Bon bah voilà. Ça servait un peu à rien. Efficace. Efficace, efficace. Oh des papillons, attendez les libellules. C'est bon. Ouh, une flamouche. Laisse-leur leur liberté. Mais non. Enfin, oui, non, marque un point. Ça brille, c'est à moi. Tu vas en faire quoi? Ça brille. Rien du tout. Ça brille, c'est à moi. Et puis, Désastre a besoin de se nourrir. Exactement. Tu vas pas me faire croire qu'un argonien ça bouffe pas des. Ah, qu'est-ce que. Un lézard. Putain, il était. Et il était bien camouflé, hein. Je sais pas vous, moi je l'ai pas vu. Non, ouais, pas de suite. Attends, attends, alors, j'ai ça. J'ai ah ça. Non, ce qu'il y a. J'ai ça. Je me suis fait jeter par un. Il y en a plein. Ha! J'ai désamorcé une plante. Ça fait aucun ça. Ah oh. Okay. Ça avait l'air rigolo d'aller ici. Eh, hey, tu marques un point, c'est pratique. Alors, il y a d'autres Pokémon. Ouais. Attendez, on peut aller en face là-bas. Ah ouais. Ah d'accord, mais c'est la tricherie en fait. Ah ouais. Ah mais t'es pas venu avec nous. Ah, il était trop loin. Moi je suis allé ailleurs. C'est pas grave, ça compte. Okay. On en a une autre ou pas là pour compter? Il y a en face, en bas, mais elle est un peu loin. Ouais. On doit plus en face, c'est pas grave. Ouais, vas-y. Ah non, pas attendre. Mais attends, on peut passer ici. Il y a un autre lézours. Ouais, peut-être en grimpant là où t'es. Je vous ai perdu. Ouais. Ah, je suis tombé. Ah, nickel. C'est ok, maintenant c'est quoi? Ah oui. Ça, il y a Bob qui est derrière. Attendez, attendez, où sont mes alliés? J'arrive, on est de l'autre côté de la mort. Accorde-moi une petite seconde. Elle me fait attirer par ça. Donc vous étiez là, non, puis vrai, vous êtes passé par la plante. Tout tuer aussi, c'est... Oui, allez-y, allez-y. Ça a l'air très très dangereux. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Non, non, on va. Non. Je vois pas où faut aller après. Oh, je suis tombé. Bah alors. Ah voilà, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai tiré Bob, mais... Ah, pardon. Bah bon. Du coup... Oui. Une conséquence heureuse, du coup. Donc vous arrivez pas à venir ici ou vous y arrivez? Et là, normalement, il faut... je peux pas l'activer d'ici. Attends, mais on fait le tour, c'est tout, regarde. Oui, au pire, vous allez on va se là. Non bah alors, il est où? Il est où, Glandu professionnel, là? Il est où qui chie dessus? Il est... Là, il est sur nous. Ça sert à rien d'aller là. Enfin. Oh la belle! C'était bien, hein! Oh attends, c'est quoi ça? Ajmota, mais c'est super classe! Mais c'est un argonien! La dernière fois. Ouais. Mais j'avais complètement oublié! C'est une espèce de tortue iguane. Oh, genre, il a une attaque dans le sol et tout. C'est stylé! C'est classe! Très classe. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir des chemins pour stepper tout bon, ça. Par contre, si je puis me permettre, si les héros qui sont censés passer ce passage, ils ont les flèches, beaucoup. Ils ont les flèches de pierre de feu que l'autre il a, c'est que c'est des baltringues. Hein. Excusez-moi, par contre, j'estime qu'il fait n'importe quoi. Ok, non, très bien. Ok, est-ce qu'on y arrive? Ah, il y en a une ici, là. Très bien. Donc, je disais, mes excuses, c'est que c'est des baltringues. Hein. C'est... Donc après, il n'y en a pas d'autres. Ouais. Ça nous fait esquiver le piège. Oui, mais oui, c'est ça en fait. Ça fait esquiver le piège. Tu vois, c'est ça qui me. D'accord. C'est sûr que si les mecs ils y passent par le chemin du gros débilos, c'est sûr que c'est pas efficace. C'est fait du coup. Hein. Il a bugué celui-là. Ah. Ah. Hop là. Mais. C'est bon. Mais j'étais plus loin sur la route. Mais. Forêt de merde! Bon bah ça a l'air d'être pas mal là. Vous êtes sur le pont aussi? Oui. Ouais, tout va bien, on est sur le ponton. Avançons, avançons.
Tortiguan, c'est vrai que ça fait Pokémon comme ça. C'était quoi ça? Une flamouche. Bon, bah là, ça a l'air plutôt safe ici. Hop, là, il y en a des nouveaux là. Ils ont l'air bien solaires. Ah, oh, il manque Bob. Non, ah, t'inquiète. Ouais. Voilà, j'ai su. Mais après ouais, comment... Il y a un boss en bas là. Ouh, oui, mais un boss en bas. En face, ça bon, se fait, non? Faut le tuer, ça, non? Ouais, vas-y. Bon, écoute. Yeah, attends, c'est un boss, on peut y aller. Ouais, allez, Derosa, battons-nous! Ah, par contre, il a l'air d'avoir un bouclier, non? Je sais pas. Ouais. Ouais, parce qu'il perd pas de vie. Il doit falloir désamorcer les plaintes. Eh ben, désamorcer, désamorcer. Ah ouais? Souffle. Et bon, c'est ça, ça a pas l'air bien. Les pierres de feu! Ah ouais. Faut les utiliser apparemment. Oui, en fait, fallait les utiliser, mais si l'autre connard il avait été là pour les activer aussi. Bon. Je sais pas à quoi ça a servi, mais. Il est mort, ça lui apprendra, tiens. C'est cool. Partie de l'épreuve. C'est cool, c'était cool. Oui, enfin, il aurait facilement pu être passable. Oh putain, des parasites. On vient de nous spoiler un truc sur le chat. J'ai pas vu. Quelqu'un leur dit que leur objet de quête était avant sur le chemin. Ah. Ah oui, c'est là-bas, sud. Allumez le premier... Allumez le premier totem de civilisation. Bah écoute, est-ce que l'un d'entre vous y va? Vas-y. Bon, on va y aller ensemble. Bah, allez-y, moi je reste là, moi. Mais je sais pas si ça va le compter pour tout le monde. Bah ça, oui, ça va le compter pour tout le monde, regarde, j'ai confiance. Bonne chance. Comme ça, on va être obligé de t'attendre si jamais... Bah bien sûr, évidemment, mais tout pour allonger la durée des vidéos. on a un truc à tenir, faut finir à 1h. Écoute, il nous faut faire des vidéos interviews gratos. Non, c'est minuit. Hein. Moi, je fais durer. Je peux prendre ta monture des astres si jamais. Ah oui. Mais c'est toi ma monture. Ah, je viens de tomber en monture. De toute façon, je suis avec Viking Raiden et ça, c'est la classe. Ah, j'ai fait une belle action là encore. Du bloc. Viking Oula. Raiden de Elder Combat non, et ça, c'est la classe. Et du coup, on se retape tous les mobs, toutes les plantes. Ah oui, ça a l'air galère. Hein. Alors du coup c'est ouf. Tout c'est droit. Très très loin. Hein. Je crois que je peux sauter par là. Oh non, j'ai chu. Ah ouais, c'était vraiment au tout début. Attends, on peut pas se TP. Ah ouais, si on doit pouvoir là. Ah mais on est en combat donc on peut pas, je crois. Bon bah tant pis. Bon lui on va le tuer lui. Ah non j'aime pas celle-là. Attends, je peux avoir la même? Non. Combien y a de musique aux luttes? C'est ouf hein. Bonne question ouais. Ouais, quelques-unes quand même. Il y a jusqu'à 4 non? Un peu plus que ça hein. Tellement pas plus. Validé pour Bob. Allumez le premier totem de civilisation, vous avez validé. Comment on l'allume ce truc? Bah... Oh. Quelqu'un a du feu? Avec ça? Moi je dirais que c'est l'autre qui doit envoyer une flèche mais... Ouais tu... Ouais elle... Je mais pense qu'on est en combat donc on peut pas l'actionner. Ah... Ouais tu crois? Bah viens on va tuer tout ce qui est... Tout ce qui nous barre la route. Bon. On est plus en combat là, si? Ah si, encore. Un gameplay palpitant. Une zone de repos, signé Bob Lennon. Le truc, il est avec toi, moi, il est pas avec moi, le Billy. Hein. Ah, ça y est, utilisez la flèche, là. Moi, il y est. Ah, exact. Tu l'avais eu, Bob, ou pas? Vous l'avez eu? Ah, c'est con, il faut parler à Kishi. Ouais, mais il pop à côté de nous. Ah, merde! Eh ben on va t'attendre hein. Et merde. C'est pas comme si on te l'avait dit hein. Non mais de toute façon c'est tout, toujours hein. Inconsistant. Parfois ça le fait, parfois ça le fait pas. On ne sait jamais tu vois. De plus moi j'aime beaucoup le fait de se séparer légèrement quand les objectifs se divisent en trop blerbe.
Je suis tombé dans la vase de Tourbevase et j'ai été TP au bord. Est-ce que j'ai été TP genre à l'entrée? Ok, j'ignore où j'ai été TP. Bon, écoute, je m'arrange. Oui, si tu vas trop loin dans la vase, ça te gobe en fait. Il y a une raison pour laquelle il faut utiliser le... Oui, c'est pas étonnant. Ouais, il y a une raison pour laquelle il faut utiliser les plantes à la con. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait un vrai... un vrai chemin pour faire avec des TP mais en cherchant quoi, des trucs cachés, ça aurait été cool. Moi j'aime bien un petit parcours comme ça. Voilà. Très bien. Du coup, j'y suis presque, je suis là en fait. C'était juste après la première marée de bouse. Nous y sommes, voyons voir. Alors du coup, c'est ça le premier totem? Pour l'instant, tout va bien. Ok, on peut parler maintenant, à qui? Je vais vous expliquer la section suivante du chemin. Ouais. Faire mimuse avec les... Ok, bah j'arrive, mais... J'arrive. Vous avez pris... Vous lui avez déjà parlé, en fait? Non. Vous attendez. Ah bah, c'est quand vous voulez. 3, 2, 1, Kishi. Vous avez pris le bon chemin parmi les sables mouvants. Bien joué. Mes armes, peut-être. La prochaine section est remplie de plantes combat, dangereuses et de bêtes carnivores. Je sais pas avec quoi. Ils feront de leur mieux pour mettre un terme à votre épreuve au moindre faux pas. Ah, t'arrives pas à leur parler? Non, je vais taper un truc pour voir ouais, si... Ouais, vas-y, on va l'achever, on va le saucer ensemble. Non, mais c'était pas un truc que j'avais en aggro. Mieux? Non, il me dit allumer les totems de signalisation. Ah voilà, parce que tu l'as pas fait sûrement. Donc il faut que je lui parle. Ou ouais, peut-être que vous lui avez parlé, vous avez lancé la conversation et qu'il s'en est pas à côté. Moi je suis à parler à Kishi. Toi t'as quoi? Ouais, pareil, parler à Kishi là, juste à côté. D'accord, bah non, moi j'ai allumé les totems suivants. Tu l'as pas, Kishi, avec le petit symbole? Bah je l'avais, mais je l'ai plus. Bon, ah, peut-être qu'en lui parlant, ça va. Écoute, de toute façon, soyons sincères. Ce qu'il va dire est d'un inintérêt absolu. Il va dire la partie suivante, il y a des monstres terribles. Ouais. Les... Rien à foutre. Allez, voilà. Des bisous. Blé. Oui, incroyable. Allez, la suite. En mode Fred. Alors. Voilà, tac. Allumez les totems de signalisation suivant. Très bien, allons-y. Oui, parce que ça va bien cette forêt à la con, mais si on fait la longueur trois fois en aller-retour, on va commencer à lui prouver que c'est un peu de la merde son truc. Donc son santé du fion, c'est bien beau. J'imagine que ça... Ah si. Alors ça, j'y croyais pas. J'imagine que ça passe pas, mais t'es passé. Mais... Ah, nous à pied, on peut pas, je pense. Ah. Aventure. Ah, c'est qu'il y a tellement de mobs en fait. Tout va bien. Et on a gros. A-t-il les tranchelles? Voilà, incroyable. Mais. Voilà. Okay. Ah ouais, ça passe avec un doigt. J'ai utilisé la flèche. Ah merde, attends, quelqu'un est mort. Non, c'est bon. Est-ce que ça l'a validé ou pas? Ouais, apparemment c'est validé. C'est... Moi ça va, je me souviens qu'on en avait plus chié dans les sous-sols des égouts de Clockwork City, de la cité mécanique, avec le Khajiit, qu'on avait cherché pendant des plombes. Putain, où êtes-vous? Ah, c'est bon. Je suis en train d'avancer là, mais pour le prochain totem. Oui, je balance les ultras. Un deuxième. Et il faut tirer là-dessus. Tirer sur quoi ou ça? T'as 3-26 là. On va faire du Bob. Ah oui, pardon, j'étais avec d'autres gens en fait. C'est le seul défaut d'avoir plein de gens avec soi qui t'accompagnent, c'est cool, c'est marrant, c'est fun, mais après tu perds tes potes en fait. Là. Voilà, c'est allumé. Faut avancer pour parler à Kishi un peu. Très bien.
C'est... L'épreuve qui vous attend est extrêmement difficile et... C'est fait. Mais, je vous ai pas vu partir. Bah ouais, mais j'ai fait le tour. Vous avez allumé les feux ? Quel feu ? Mais il faut allumer les feux, sinon on n'avait pas de preuve que vous les avez faits. Mais j'ai tué la grosse tortue et tout le... Ah, bon bah j'y retourne. C'est ça. Mais là, il y a Kishi, du coup. T'es allé trop loin, Bob. Encore ? Oui, il faut lui parler ici. Ah, pardon. Eh bien, à parler à Kishi. Allumez les totems de civilisation suivants. J'en ai raté un. Mais quelle galère ! Bon, parlez-lui. Parlez-lui, je vous rattraperai. Mais non, on va t'attendre. Non, mais parlez-lui, je vous rattraperai. Mais on va pas lui parler. On va devoir lui parler après. Mais non, mais on ça a pas être... envie de lui parler. Ça va être buggé. Mais ça va pas être buggé. Ça va être on buggé. On sera tous au même endroit. Tu vas arrêter de faire ton indépendant, là ? Mais non, je fais pas mon indépendant, je fais mon gars en retard. C'est pas pareil, là, il est là, son truc à la con. Allez, ramenez-vous les mobs. Ramenez-vous ta Pokémon. Qu'on en finisse. FFA. Voilà. FFA. Salut, Gomma. Et bonsoir à tous qui nous rejoignent. C'est un nordique samouraï, mais c'est sympa. Ouais. Vous avez accompli la deuxième épreuve. Si, qui siffle. T'entends siffler aussi parler. Moi, je sais qu'avec ma posture, de temps en temps, il siffle, mon perso. Ah, c'est toi, lui. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Toute circonstance, il a l'air. Lui dit cache-toi, fais pas de bruit, on va nous repérer. Plac, voilà, j'y suis. T'as bien parlé à Kishi. Là, parlez à Kishi. Il est où ce connard? Magnifique. Il va arriver. Normalement, il est juste là. Il arrive. De toute façon, il met toujours 5 secondes pour popper, ce con. Parce qu'il est dans le doute le plus abject. Kishi. Kishi, où es-tu? T'as perdu Kishi. Où es-tu, Kishi? Kishi, tu me mets dans le mal, Kishi. Kishi, tu es bugué, Kishi? Bon. Qu'est-ce que tu dis, la quête? Panique pas. Dis parler à Kishi ou on déconnecte. Ah, tu veux carrément. On déconnecte. On reconnecte. Voilà, on est dans l'amour. Voilà. Je réponds aux gens qui m'appellent au téléphone. Désolé, je suis en plein live, bisous. Tu dis c'est la faute à Kishi. Voilà, c'est la faute à maman. Voilà, impeccable. Merci maman. Cette situation absolument ouf. L'épreuve est tellement dure, même le PNJ l'a raté. Kishi qui est parti. Disons chassé dans la nature. On y croit. Du coup, ouais, comme ça, elle est vachement compliquée cette épreuve au final. Ah, mais c'est ouf, hein! Moi, j'y croyais pas, tu vois. Puis en fait, tu crois qu'elle est finie, mais elle est pas finie et tout. Tu finis ton DM de maths, t'es content, mais en fait, c'est double feuille. Faut regarder au dos, t'es la merde. C'est l'angoisse. L'angoisse est réelle. Le stress est absolu. Le drama psychologique bat son plein. Ah ouais, là on est dans une attente, c'est fou. Alors Kishi. Est-ce qu'il est là, Kishi? Non. Peut-être qu'il trouverait retour au dernier totem et regarde s'il n'y a pas de là-bas. Attends, écoutez-moi. Si, il est là. Il est là, c'est bon. Voilà. Il a apparu. Et à chaque fois Kishi, je le prends pour une gonzesse, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est la manière dont sont placées ses écailles, ça fait des seins en fait. Bon, après c'est lui parle. 3, allez. 2, 1, clic enfin. Et vous en êtes très bien sorti. Bah grâce pas grâce à toi, connard. Vous atteindre le lys sacré. Mais car à l'excès de confiance, il peut terrasser même les plus puissants.
Le dernier défi nous attend. Ne baissez pas la garde. À quoi dois-je m'attendre lors de l'épreuve finale ? Et Rosa, garde le lys sacré. Il est puissant et dur à tuer, mais il n'est pas invincible. Tenez, prenez ce sac de pierre à feu. Cette voix. Utilisez-les bien et faites preuve d'astuce et vous survivrez. Vous pouvez y arriver. J'ai foi en vous. Des Rosa, c'est qui ou quoi ? Des Rosa est un colosse argonien créé par notre East pour protéger le lys sacré et mettre à l'épreuve le courage de nos guerriers novices. Mais... Sachez que la créature a goûté le sang de nombreux novices. J'ai bien peur qu'il soit dur à tuer. Mais pourquoi le East, il en fait pas plus ? Pourquoi il fait pas tout le design de sa race, de ses sous-argoniens à son East à lui, sur ce colosse ? Parce qu'il a pas assez d'ingrédients. Juste pour en faire un. Ouais. Mais. Voilà. Il suffit juste d'un œuf ! Si t'étais spécialiste en création de. Non ! Mais c'est juste. C'est juste que. Si c'est tu... mieux que List ? Non ! Ah, des centaines et des milliers c'est de. Juste, c'est juste. Écoute, si une maman qui a des octuplés décide de pas avoir des octuplés, mais de fusionner ses octuplés en un méga-tuplé, hein, qui est la fusion de ses 8 octuplés, et du coup, quand le bébé est né, il est là. Salut, où est le biberon ? Tu as gagné ça, tu vois ? Voilà. C'est qu'il y a une décision consciente. Ouais. Du coup, tu peux les produire. Faut dire oui pour te faire plaisir. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas une anomalie. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'était une anomalie, oui, je comprends que pourquoi pas. Mais là, c'est ce qui sous-entend, c'est que c'est une décision consciente. Pourquoi pas se faire une race de super guerriers ? Alors, si on vient me dire que c'est parce qu'il est très gros et très musclé qu'il est forcément très con, j'ai envie de tout casser en fait. Ah, mais c'est celui qu'on a tué tout à l'heure en plus. Ouais, on l'a déjà tué. On va falloir utiliser un truc à un moment, mais donc là, il va. Ah bah je suis mort. Ok, et on y retourne. Ah bah t'étais où ? Je sais pas. Okay. En tout cas, je suis arrivé au moment où il rageait, où il fallait utiliser les plantes. Et du coup, je suis mort instant. Est-ce que ça te l'a validé ? Oui, bah pour le coup, ça l'a validé, je peux loot. Dès que je repop, hein. Voilà, j'arrive. Vous prenez le lys sacré. Où est le lys sacré ? Bon, il est... Non. Tout droit. Là où il y a la petite flèche. Eh hey même c'est joli ici. Ouais. Ouais, c'est sympa. Hein. Fais voir, c'est ça le lys sacré. Et putain. Et avec ça, j'allume le dernier totem de signalisation. Retournons au village pour présenter le lys sacré au chef de guerre. Vous avez bien combattu, ami étranger. Merci, esclave lézard. Bon. Faut passer par là. Attends, en dessous, il y a des trucs... Il y a du voriplasme, ouais. Et des cadavres voriplasmiques. C'est stylé. Vous vous souvenez qu'il y a une... Lors d'une dernière fois, bah, je crois que c'était à l'endroit où il y avait Kishu, je sais plus quoi. Il y avait une instance à côté qu'on avait dit qu'on ferait la prochaine fois. Ah ouais ? Instance publique, instance publique. Eh ben oui, pourquoi pas ? On va y aller, mais il faut se rappeler. C'était pas l'épreuve ? Ah non, c'était pas l'épreuve, je crois pas. Parce que là, j'ai pas de donjon public de découvert. Bah, on était à côté, on n'y a pas été véritablement. La rose noire. La prison de la rose noire. C'est pas prendre des gravats des casernes de Tsofia. Prendre des gravats de la tombe sud. Des mains de lance. Et c'est juste au nord. Non, ça c'est. Non, moi c'était plus au sud, je crois. Et il y a prendre des gravats des Dante City, c'est prendre des gravats des cavernes de Tsofia. Oui, tu te souviens, c'était le gars qui voulait faire son truc au dieu noir. Et que toi, sous prétexte de faire dispé, tu voulais l'aider alors que. Alors que, obviously. Oui. Bon. Est-ce que je propose d'ailleurs d'aller au nord tout de suite, hein, tant qu'à faire, parce qu'après on n'y retourne pas. Aller donc, au nord, ok, ouais, si tu veux, ouais. Ouais, hop. Allons-y. Ça me paraît pas être une merci une... beaucoup, Elrazil, pour les 6 mois. Et bien, ça me paraît pas être une. Ça me paraît pas être intelligent, si tu veux, mon ami, mais bon. Je continue à penser que c'est une décision pauvre. Alors, où est-ce qu'on est ? L'entrée d'une grotte. Ah, attends, il y a un fragment de ah, il y a un éclat céleste. Ouais. Ouais, c'est gratuit. Bien vu.
Bien vu, bien vu. Bam, 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 bam. 1 sur 3. Il y a des cadavres boryplasmiques sur toute la route. On ne sait pas ah ce oui, que il c'est. Il y a la demeure aussi qu'on doit aller voir après. Quelle demeure? Bah celle ah qui, oui, qui est pas encore achetable. Ah ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le tombeau des mains te lance, bah allons-y. Ah. Je suis en combat après. Il y a un cadavre voryplasmique. Ah oui, oui. Le voryplasme. C'est comme du protoplasme, mais qui te mange en fait. Le nom fait sens, même si le monstre en fait aucun. Il fallait un peu rentrer. Putain, par contre, il y a des scarabées à champignons, c'est des Pokémon les trucs, hein. C'est adorable. Il y a des paras et des parasects. Les... Ouais, c'est des paras. Oui, c'est des parasectes. Tu vois Pokémon, toi ? Des parasectes, pas des parasexes. j'ai la culture du Pokémon. Mais j'avoue que je me suis ni tapé XY ni XY2. C'est ta génération, non? C'était déjà un peu. Bien sûr, complètement. Moi, c'est complètement. C'est complètement ma génération. Ta génération. Ah ouais, d'accord. J'étais le public cible. Moi, j'ai arrêté à jaune. Pour être très sincère, même si je me suis tapé tous les subséquents, j'ai vraiment fait la version rouge. Parce que bleu c'était pour les filles et version rouge et j'ai fait la version or. Et pour moi la version or était quand même une c'était une apogée d'évolution. C'était le Assassin's Creed 2 de la série si tu veux. Prendre les gravasses. Moi j'ai découvert avec XY et Pokémon Go. Pokémon Go est très différent mais XY est très très bon. Hein. Il est très très bon. Demi tour. Les gravats sont de l'autre côté. Après, bien sûr, je me suis tapé toutes les autres gènes. Hein. Y a pas de mystère. Et à chaque fois, je pleurais de la qualité des Pokémon qui étaient dans une décroissance folle. Surtout de la qualité. C'est dur d'avoir de l'esprit. Après, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse mieux? Regarde le dernier qui a aucun travail véritable derrière. Ce n'est... une petite refonte d'un jeu avec des éléments de gameplay en moins et qui est le jeu le mieux vendu. C'est hallucinant quoi. Au début je pensais la même chose, puis on m'a dit en fait oui mais le premier Pokémon est juste trop vieux pour qu'une nouvelle génération de gamins dont les parents ont de l'argent et qu'on eux-mêmes sont les enfants des gens qui ont joué au premier Pokémon, donc c'est eux, ma génération en l'occurrence, puissent s'introduire à la série. Donc on veut leur donner quelque chose de simple, avec les graphismes de nos jours, mais suffisamment mignon et pas cher. De manière à ce que même non, c'est pas, pas cher, il est à 60€ et non, la Pokéball pas cher, à 50. Pas cher à faire. Ah oui, non, ça oui. Ouais. Pas cher à faire qui nous donne des millions de... Ah oui, sinon on se fait baiser la nouille, hein, y a pas de mystère. Vous faites quoi? Je ne sais pas, je me promène et... non, c'est vrai que c'est joli, ceci dit. Ouais, c'est pour ça. Mais récupérer les fragments de ruines, c'est ça, hein, il fallait ça. Hein. Mais on a ouais. On se casse. Mais sinon, oui, hein, le tas de mucus nasal qui pourrait passer pour un Pokémon, c'est ça, c'est du. Métamorph. Mais pour te dire à quel point c'est un truc qui a aucun goût, ça mange même les argoniens. Donc. Mais accessoirement, le dernier jeu Pokémon, donc le Let's Go Pikachu Evoli, je ne peux pas le conseiller à acheter, je dis même aux gens de ne pas l'acheter. Mais par contre, il est très agréable à liver. Je l'ai offert à un enfant de 10 ans. Ouais. Parce qu'il n'est pas encore assez vieux pour faire son propre jugement sur ce qui est bon ou pas, donc de ce fait, tu peux lui offrir tout ce que tu veux, ça passe. Et j'ai pris exprès la version Evoli, pour la bonne simple raison que Evoli, dans ce jeu-là, n'évolue pas. Oui. Or... Ah. 1, il s'appelle Evoli, donc c'est doublement humiliant. Et 3, c'est juste le Pokémon avec le plus d'évolution de l'univers. Ben et ouais. Donc c'est triplement drôle et humiliant. Parce qu'avec un Pikachu qui devient pas Raichu, ouais, de toute façon, vu que c'est une évolution qui est facultative, vu que tu l'as fait avec une pierre foudre et qu'elle apporte pas tant de stats que ça, pourquoi pas, tu vois, je peux comprendre qu'on suive l'animé. Mais Evoli, c'est tellement ridicule, ça me fait rire, c'est tout. Alors, donc toi, voilà. Je vais pas te tenir juste ici, je sais pas si vous devez faire. Mais il y a un boss, ouais, allons-y. Ouais, il y a un boss, donc on va aller se le faire. Est-ce donc moi ça me permettait de faire un cadeau et d'être passif-agressif en même temps. Donc. La cuvette de l'écho.
Ah, je suis immobilisé. Pourquoi c'est moi qui suis immobilisé? Ah bah ils étaient tous là déjà. Ah bah ils viennent d'être faits. Oh non. Et c'était quoi? C'était cette espèce de gros... Ouais, c'est les zènes, c'est pas les futurés. 1 sur 5. Aïe. La cuvette de l'écho. Attends, mais il y a un endroit qui s'appelle la cuvette de l'écho. Ah, ça te téléporte de l'eau. Merci, Pain. Putain, il y a toute une caverne à l'intérieur. 2 sur 5. Putain, il y a toute une caverne qui mène quelque part. On a une quête dedans ou pas? Non, mais j'explore. Parce que moi, j'ai des trucs à ramasser, ça doit être dedans. Tiens, moi, ça, c'est la quête que vous aviez fait qui était pas à cet endroit-là. Moi, j'avais eu une quête ici. Ah, il y a le boss. Ah, merde. Ah, oui. Attends, je reviens. Vite, ça sonne pour ça. Ah non, vas-y. Ah ouais, les mecs se ruent dessus, quoi. 40. Non, j'aurai jamais le temps. Ouais, mais... non plus. Moi qui ai voulu explorer. Si, c'est bon. Tant pis. Je pense que c'est un boss des quêtes journalières. Ouais, ça c'est bon. Il me reste juste à cliquer sur les trucs à l'intérieur. Ah, je suis dead. Ouais, là tu l'as à 5 secondes près. Bon, mais après, c'est un balout, hein. Mais ça t'as pas fait l'achievement du coup, c'est ça? Non, j'ai rien du tout. De succès, là. J'ai rien du tout. Même où est-ce que vous allez? Alors, nous allons prendre les gravats des Dante City, c'est juste en dessous. Et il y a la maison. Attends, moi je dois ramasser des ronces à l'intérieur de la grotte. Où t'étais, Bah, va. Mais pourquoi j'ai pas ça? Mais parce que c'était un truc. Vous aviez une autre quête quand je l'avais eu. Ah oui, c'était nous, ta journalière. Tu sais, on avait la quête mange t'es mort, un truc comme ça. Je vois. 5. Dernier. 5 sur 5. Et là, apparemment, on peut zoner ici. Et une autre sortie. Qu'est-ce que c'est que ça? Tablette d'Istouk. Alors, j'ai pris une tablette d'Ist qui brillait vert. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Uh-huh. Tablette de vaca. Merci beaucoup, Steve. Merci, Copain, pour quelqu'un sait sur le chat ce que c'était, ce que je viens de ramasser. Tablette d'Istoduka. Pièce de musée unique. Ah, bah, il y a une pièce de musée unique si vous voulez à l'intérieur, ici, dans la grotte. Ah, La pièce de musée nordique ou on s'en fout? Je sais pas, il n'y a pas une histoire où on doit faire un truc avec un musée. Sûrement, il y a une pièce. Aussi, ouais. La base, c'est un peu l'histoire, une partie de l'histoire principale, je crois. Et écoute, on va passer encore 2 minutes dans cet endroit, donc profitons-en. venez. C'est joli. Non, moi, je viens pas, là. J'attends le boss. Non, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir si j'y vais, je suis sûr. Bah, continue, c'est tout droit. Et du coup, ça me fait pop-pou. Ah ouais, ça, c'est une tille en verre. Ouais, donc c'était un truc pour le musée. Qu'est-ce que c'est que ça? Les mensonges du père de l'effroi. Il y a 12 tablettes à récupérer pour avoir un meuble argonien. Ok. Perso, j'aurais trouvé ça plus intéressant pour le Pokémon Go Evoli, Let's Go Pokémon Evoli, tu vois, plutôt que les hyper-évolutions, tu vois, ton Evoli avait un lien qui lui permettait de hyper-évoluer vers une forme. Ou plutôt qui serait juste son évolution, tu vois, juste pendant un combat. Non, mais... une espèce après, il y, y a les évolutions. Non oui, non, mais... tu les affrontes, en tout cas, oui. Tu dois pouvoir les emmener Pokémon. J'entends bien, mais comment dire, tu vois, t'imagines d'avoir un Pokémon qui, du coup, peut utiliser l'Ultra et devenir un Pokémon Go ou un Pokémon Feu ou quelque chose. Tu sais, ça aurait été classe, ouais. En fait. Ouais, mais c'est le même principe que Pikachu, ton personnage, il évolue pas, quoi. Il est celui, bien sûr, mais Pikachu, tu le gardes tel qu'il est, mais voilà, quoi. Mais du coup, l'évolue, tu peux jouer avec les évolutions, ça aurait été fun. Un évolue qui peut rétro-évoluer, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est peut-être con comme idée, mais c'est pas plus non original que le Pikachu de Sacha dans le dessin animé qui nucléarise des Poké Center entiers parce que c'est le Pikachu élu. C'est le Pikachu qui a ses règles et qui est ultra chargé. Juste parce que Sacha, il a torturé son Pikachu en l'attachant dans un moulin, quoi. Pour le surcharger afin qu'il puisse faire des dégâts avec de la foudre à un Pokémon pierre.
Mais oui, c'est dans l'épisode, c'est ma génération, donc là tu m'auras pas dessus. C'est dans l'épisode où il doit aller affronter Pierre à l'arène, et tu sais, il se fait molester par son onyx, parce que son onyx c'est juste un caillou. Et oui, il est immunisé, c'est un gros rocher, donc forcément il est immunisé, c'est un rocher. Sauf qu'il lui balance de la foudre, il met du 220, mais c'est un caillou en face, donc ça passe pas. Et en fait, il y a je sais plus qui dit, ouais mais il y a un moyen de booster ton Pikachu. Tu vois ce vieux moulin à eau là-bas? Bon, c'est un moulin à eau, mais l'eau elle passe plus, tu vois, donc il faut que tu l'actives en marchant dedans. C'est comme si t'étais dans un rond hamster, c'est un truc, c'est une espèce de roue hamster en fait, où tu avances et tu fais une dynamo, quoi. Voilà. Et du coup, il branche les deux joues de son Pikachu à la dynamo du moulin. Et du coup, Sacha, bah, il fait le hamster dans la roue du moulin et ça crée de l'électricité. Et t'as le Pikachu qui souffre, c'est parce qu'il se fait surcharger comme une pile niveau nucléaire. Et t'as Sacha qui est là, encore un peu Pikachu, courage, allez Pikachu. Et là, Niki, il se fait injecter de la stéroïde brute direct dans les joues, quoi. C'est le père de Pierre qui suggère ça, Bob. Oui, exactement, merci. Avec ses 19 enfants, là, pareil. Mais je suis désolé, mais Pokémon, c'est de la torture animale. C'est l'un des pires trucs. En fait, il y a tellement de choses qui vont pas, mais... Enfin, on le voit pas, quoi, on s'en fout. Les parents qui disent, ah bah oui, il va faire un tour dans le jeu, tout ça. Il est revenu, attends une seconde. Ouais, le voir tout seul... Quel bordel! Ouais, il est mort! Mais jamais je peux le looter. Trop de monde. C'est bon. Donc mes excuses, c'est fait. Du coup, tu disais? Non, que c'était un des trucs au niveau de la morale des pires qui soient, Pokémon. C'est du combat d'animaux, c'est des expérimentations sur les animaux, c'est des parents qui envoient leurs enfants en disant ils s'en foutent et ils parcourent la terre avec les dangers, tous ces trucs-là. Il y a rien qui va, en fait. Alors, je suis d'accord, sauf sur le dernier argument. Le seul problème, en fait, c'est que les parents existent. Ça peut paraître très con, mais je suis désolé, tu prends Code Lyoko, où sont les parents, tu vois? Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu prends n'importe quel dessin animé, tu prends Donjons et Dragons, hein, le dessin animé, où sont les parents, tu vois? Bon, tu vois ce que je veux dire? Tu prends tout ce que tu veux, où sont les parents, tu vois? Bon, après, dans Conan, le dessin animé, ils ont réglé ce problème. Parce que dans l'épisode 1, les parents, ils se font pétrifier, donc il n'y a plus de problème, tu vois? Bon, après, c'est Conan en même temps, je pense pas que c'est Daron, il aurait pu faire quelque chose. Bon, c'est compliqué. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? Bon, donc, dans l'absolu, ça, qu'ils s'en servent comme excuse. Vous n'aurez plus mes écailles! Il y a un mec qui est blessé, il y a une quête. Dans le début de Pokémon, t'as vraiment la maman qui dit « Ah, fais attention, mon chéri, quand tu vas aller parcourir le monde et que tu risques de mourir à chaque instant. » C'est ça, c'est ça. Et surtout, elle dort dans la cuisine. Hein. Mets ta vie qu'elle se fait saucer par le professeur Shen qui t'envoie capturer des Pokémon. Mets ta vie. Bon, après, bon. Du coup, Niswok Zodé, on lui parle ou bien? Ouais, on va lui parler. Ok, 3, 2, 1, clic. Vous n'êtes pas un de ces esclaves? Non, votre odeur est différente. Vite! Vous devez m'aider. Je lui ai à peine échappé, mais elle tient mes frères et sœurs de couvée. Chaque délai se paye dans le sang des innocents. Étrangement, j'exprime un vif désintérêt pour cet Argonien précisément. Je ne sais pas pourquoi, mais allons-y. Les plumes. À qui avez-vous échappé? À Shugzaltzei. Dévore le soleil. Stylé. La grande prêtresse des dents. Elle porte plusieurs noms, tous prononcés à voix basse. Waouh, les Argoniens, ils ont Voldemort. De la nuit où elle se cachait pour reprendre son temple. Et nous sommes tous ses offrandes à Cytis. Elle vous sacrifie? Oui. Le sang qu'elle ne boit pas coule sur les autels du temple. J'ignore à quelle fin, mais ce rituel a déjà fait beaucoup de morts. Il faut arrêter Shugzaltzei. Très bien, je vais mettre un terme à ces sacrifices. La prêtresse les retient dans les crocs de Cytis. Empruntez le tunnel sous la cascade pour atteindre les Xanmir sur la crête. Retrouvons-nous au sommet du Xanmir Ouest quand nous aurons trouvé les autres. Savez-vous... Oui? Oui, non, pardon. Moi, j'étais à pourquoi pas, mais disons qu'on était... Moi, en fait, je voulais continuer la trame principale de continuer, ben, ouais, tu c'est vois. C'est ça, ouais. On va dire au revoir. Mais c'est trop tard, enfin bon, c'est pas... Attends, ça dépend, est-ce qu'on... Qu'est-ce qui t'intéresse, Craig? Faire toutes les quêtes.
Oui, non, mais dans ce qu'il dit, là. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a enfin un tunnel sous une cascade. Ah, c'est voilà. C'est moi, que... j'en ai marre de toujours aller regarder les cascades s'il y a un truc pareil. Derrière, il n'y a c'est jamais vrai. Rien. C'est vrai. Je sais pas, que pouvez-vous me dire sur la Dance City? Allons-y. Je sais pas, vas-y. Allez. Que pouvez-vous me dire sur la Dance City? Une merveille datant d'avant le crépuscule, construite bien haut pour projeter l'ombre de City sur les terres et rappeler que City est toujours là, prête à nous ramener au néant. Les anciennes coutumes étaient biaisées. Beaucoup considéraient City comme une puissance de destruction et pas de création. Oui, bon. Mal à ton lore. Non, c'est pas ça. Il a raison, mais c'est une puissance de changement. Donc c'est ni une puissance de destruction, ni une puissance de création, tu vois. C'est littéralement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Ouais. C'est Anu qui est la forme de destruction et ou création. Anu ne change rien, Anu donne ou Anu reprend. C'est Cytis qui... Enfin, pas Cytis. Pas Cytis précisément, parce que c'est pas Domé, tu sais, c'est son aspect supérieur, qui, lui, par contre, génère le changement. Encore une fois, c'est la loi et le chaos de Elric, de Michael Moorcock. Donc voilà. En quoi les nouvelles coutumes sont-elles différentes? Les anciennes coutumes consistaient à apaiser Cytis, afin qu'elle nous épargne la destruction. Dans notre ignorance, nous avons lutté contre sa volonté, et bâtit un château de boue prêt à s'effondrer. Nous aurions tous été engloutis si Lyst n'avait pas partagé sa sagesse avec nous. Attends, ils parlent figurativement ou ils ont vraiment fait un château de bouse? De boue. De boue. Oui, bah oui. Que vous a révélé Lyst? Que Cytis n'est pas uniquement synonyme de destruction. Cytis représente le changement. Ah bah merci. Cytis brise ce qui est ancien afin de laisser place à ce qui est nouveau. C'est culturel. Nous avons donc appris à suivre le courant de la rivière plutôt que de lutter contre les flots. Nous vivons des temps meilleurs, mais Shugzalsei ne le voit pas. Est-ce inhabituel qu'une grande prêtresse de Cytis commette des sacrifices rituels? Elle suit les anciennes coutumes d'avant la chute. Nous étions moins au fait des cycles de changement à l'époque. Nous ne donnions qu'au vide. Lorsque Lyst nous révéla la vraie voie, elle choisit de briser le lien qui nous unissait plutôt que de changer. Du moins, c'est ce que racontent les récits. À vous entendre, tout cela date de loin. C'est le cas. Le récit de la trahison et de la déchéance de Shugzalsei nous rappelle qu'il ne faut pas oublier les conseils fondateurs de Lyst. Je croyais que cette histoire avait été embellie pour plus d'effets dramatiques. Mais on dirait que la seule exagération concernait son trépas. Vous pensez qu'il s'agit de la même prêtresse que dans votre histoire? Si c'est une vampire, l'histoire c'est possible. L'histoire raconte qu'elle fut exilée, ouais, et enterrée loin des racines de Lyst, afin de ne jamais revenir. Mais mon corps me dit que la créature maudite qui répand le sang des miens n'est autre que Shugzalsei. C'est marrant parce qu'il dit loin des racines de Lyst et dans le texte c'est loin sous les racines de Lyst, c'est pas la même chose quand même. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est même, ça change tout en fait. Hein. Carrément. Oui. Bon, c'est bras. Au revoir, on est bien bon. Ils seront sur les capteurs de toute façon. Merci Xyrael. Et bim. Hop. En tout cas, Shugzalsei dévore le soleil. C'est stylé comme nom. Hein. Ah, il est badass. Comme nickname, ça pue. Il hein. Y a un. Les Dance City, c'est un donjon. Bon bah. Louf. Au revoir. J'ai dit au revoir. Et puis on blouffe. Tu voulais aller dans la caverne? Ouais, vas-y. Derrière la cascade. Hop. Elle est pas très cachée, mais ouais. Bédé. Si j'allais me mettre. Il y a une langue. Ouais, mais ça, c'est des fausses trucs cachés derrière une cascade. Ça nous y envoie. Ce qui est intéressant, c'est quand tu découvres un truc et tu te dis, oh, il y a un truc derrière la cascade. Et surtout que tu vois pas à travers l'eau. Ouais. Que tu le découvres sans. Ou en même temps, des vraies cascades où tu vois pas à travers la flotte, c'est que le truc est assez large pour pas que tu y ailles à pied, tu vois. Oui. Oui, c'est... Enfin, bon. Non mais voilà quoi, c'est pas... Ça veut dire que le débit d'eau, il se passe pas du genre comme si c'était un fin rideau. Non, c'est pas ce donjon-là, Kizaru-chan, que je voulais faire. Pas du tout, on est pas du tout au même endroit.
Puisque City sait changement, il n'existe bien sûr pas de normes pour ses hôtels et ses chapelles. Mais à Tourbevase, on ne trouve pas plus grand temple au père de l'effroi que les dents de Cities. Eh bien... Et moi je vois Crane en mode les bras sur les hanches en mode « Eh bien... » c'est cossu. Ça, mais il y a une autre par ici. Il y a une autre cascade de l'autre côté en fait. Attends, je tabasse la fosse d'abord. C'est double cascade. Ok, donc alors, on doit faire la quête, on doit trouver le fragment et on doit tuer le boss. Le fragment, on le voit de la base là. C'est-à-dire, il est en haut à gauche. Exact. Ah bah oui, il est lucide. Je ne contrôle plus mes mouvements, que se passe-t-il? C'est toi, t'es pas lucide. Est-ce que c'est ma manette? Est-ce que je suis possédé? Ah oui, apparemment j'étais effrayé par une plante. Ah, il t'a fier. Ah, je me suis fier, ouais. C'est pour ça que je contrôlais plus rien, je me disais aussi. Alors, à mon avis, voilà la porte. Bada. Salut au cancré. Ça me fait toujours quelque chose quand il fait sa grosse voix. Moi, c'est la voix de désastre. Je passe pas de. Y a pas de pub pendant mes lives ni sur les rediffs. C'est pas moi qui mets des pubs, donc je sais pas du tout si Twitch. Je sais pas quelle est la politique de Twitch sur les rediffs. Bah, ils sauce. Parce qu'apparemment, les gens disent qu'il y a des pubs toutes les 5 minutes, quoi. Oh bah, vous faites pas de roulade. Ouais, mec. Non, mais je vais désactiver les roulades. Mais ils vivent pas les aventures. Ah là-bas il y a des messieurs qui mangent des. Par contre il y a les gravats des dents de Cities juste à droite. Je sais pas, attends. Il y a des messieurs là qui tuent des gens. Ouais, c'est bien des vampires. Blé. Ah, c'était un piège ça, je me demandais ce que c'était cette dalle. Sanguinateur des mages soleil. Ouais, là c'est pas mage soleil, c'est mage soleil. Il y a des trucs à ramasser quelque part ou je me balade. Il y a des bibliothèques. Je reçois des bouquins. On a déjà lu. Gravat des dents de Cities. Il faut le prendre pour la quête. Ouais. Des fragments de ruines. 2 sur 3. Oh, un bol de verre. J'ai tout gagné. Juste là, à ma gauche. Sinon, ah oui. Vous avez pas trouvé les captifs? Non, pas encore pour l'instant. Très bien, allons-y. 2 sur 3 les fragments. Ouais, 2 sur 3. Hein. Ouais, 2 sur 3. Ah, bah 3, oui, ouais. On a l'autre, c'est. On est bien. D'ailleurs, dès qu'on sera sorti de ce donjon à la con, je propose d'ouvrir des caisses. Un atronax de chair. Et... La chanteuse. Est-ce que tu peux croire en une vie après l'amour? Point. Oh la vache, des atronacs de feu et tout. C'est Do You Believe in a Life After Love? Ah d'accord, ok. Mais en français, nul. Dans le texte. C'est cher ça, si je m'abuse. Hein. Ouais, c'est ça. Il me semble. J'avais ni reconnu les paroles ni l'air. Oh, bah, mais j'avais très mal chanté. Ah mince, je lui ai parlé. Bah bien joué. De toute façon, tout ce qu'il a à nous annoncer, c'est que c'est un esclave qui allait se faire sacrifier, alors. Vous lui parlez ou vous tapez, là? Attendez. Là, il y a un cas de manspreading et de texture absolument délicieuse. Bon, attends, on lui parle. 3, 2, 1, clic. Vous revenez me prendre de la sève, mais je n'ai plus grand-chose pour votre maîtresse. Oh, nous serons tous secs. Vous subirez sa soif sans fin. Je suis venu vous sauver. Xod m'envoie. Peu importe. Nous sommes trop empêtrés dans les racines du passé pour y échapper. Elles se sont étendues trop loin sous la surface. Et maintenant qu'elles ont émergé à la lumière, il est trop tard. Alors, que voulez-vous que je fasse? Une seconde.
Voilà. Si Crane a rattrapé. Non, j'étais en avance surtout. Ah pardon, mes excuses, d'accord, je croyais que c'était l'inverse. Ok, je t'en prie, Désastre. Retrouvez Xod au sommet du Xanmirs Ouest. Nous déciderons lors de la marche à suivre. Il faut peut-être la détacher. Ah voilà. C'est bon. Attends, il y a un pot. On peut pas cuisiner dedans. Non, on peut pas. Dommage. En même temps, ce serait pas ultra hygiénique. Je veux la nuit. Donc on continue et on trouvera un deuxième esclave. Très bien. Jamais ça nous croise par la tête d'en garder un pour nous. Non. Bon, ça va, il serait pas super maltraité. Je pense pas qu'on soit des maîtres très contraignants. Déjà, on passe jamais à la maison. Ça, c'est sûr. Ensuite, on vit dans des putains de manoirs, donc... Le mec, pour peu qu'on lui donne pas une piole trop dégueu, on lui dit juste, bas les pattes, va pas dans ma chambre. Fais en sorte que tout soit dépoussiéré, puis c'est marre, quoi. Voilà Josiane, une autre argonienne à gros seins. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils leur manquaient tous 50% HP. Moi, je leur ai envoyé un petit sort avant. Bon, alors, c'est peut-être quoi, qu'ils, sont, bourrin, qu'ils se font vider de leur sang constamment parce qu'ils le sacrifient humain, tout ça. Enfin, ah, je suis un humain. PVP, attendez, il y a une étagère de livres. Les vives gorges, blablabla. Toujours les mêmes qui regardent les. Monture écailleuse du marais noir. Oh. Il n'y a jamais rien de nouveau. Non. Ah, il y a même un chapitre qui tape, hein, regarde. Plus d'un bic au gel, l'interrogatif m'a abordé ainsi. Au Caspa, pourquoi vos montures lézards ressemblent-elles aux montures venant d'autres contrées de Tamriel? Pourquoi ces chevaux lézards, ces dromadaires lézards et ces senches lézards? Pourquoi vos si belles montures ne ressemblent-elles pas à des lézards? Ce sont toutes de bonnes questions auxquelles Oukaspa a décidé de répondre, sauf en ce qui concerne un grand mystère. En mode, super. En mode, je vais pas t'aider. C'était encore plus de questions que t'avais de réponses, tu vois. Ok, parlons à Niswo Nedelas. 3, 2, 1, clic. Difficile de résister à ce nectar, hein? Eh bien, c'est fini. Approchez et je vous casserai les crocs. Un boss meurt qui se fait manger. Ouais, j'avoue. Le comble. Je t'en prie. C'est pas un argonien. Bah du coup, bien joué, très bien retenu. Donc, je t'en prie, Craig. C'est vrai. Du calme, je suis là pour vous sauver. Xod m'envoie. Il s'est échappé. Il est aussi furtif qu'un triton. Bon, qu'attendez-vous? Libérez-moi afin que j'aille fracasser les crocs de ces buveurs de sang. Vous n'êtes pas en état de combattre. Retrouvez Xod. Il doit se trouver au sommet du Xanmir West. Bon, on l'a sauvé. On a bien tout fait, y a pas une grande salle qu'on a pas fait. Attends, il mange. Porte-terreur. Putain, c'est des cannibales en plus. J'espère qu'on a pas loupé le boss. Bon, il doit être à l'extérieur le boss. Ouais, sans doute. Sinon, il est dans la grande salle qu'on a pas fait de l'autre côté. Merci DJ Awaken pour les 4 mois de soutien. Hop. Merci beaucoup. Ah, attends, là. Là. On part sur le coup, mais en fait. Ah oui. Bien vu. Niswo Xod. Et on peut parler aux autres, mais on s'en fout. 3, 2, 1, clic. Je remercie List de vous avoir mené à moi, mais vous n'avez pas pu trouver plus de monde. Non, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, oui. J'ai dit non. Je n'ai rien trouvé dans le Xanmir Est, sauf les serviteurs de la prêtresse et la puanteur du sang. Quiconque a été emmené ici s'est vidé de son sang sur la dent du temple. Ou entre ses mains. Nous arrivons donc trop tard. Elle en trouvera d'autres. Avant sa déchéance, Jugzalsei a abreuvé la dent de Cytis de sang sacrificiel pendant une journée entière. Et vu ce qu'elle est devenue, ses besoins ont grandi en même temps que son pouvoir. Je sens ses ondes de puissance parcourir le temple. Comment ? On dirait que le sang versé ici continue de battre à travers les pierres mortes. Le pouls de ce temple est lent, mais il retentit dans tout le vide, appelant Cytis. Il faut tout faire pour qu'elle n'entende pas cet appel. Wait. Mes excuses, mais Cytis, ça s'invoque pas comme un prince des draps. Hein. Non, faut mettre un budget un peu plus gros quand même, hein, parce que je rappelle Cytis... Cytis, il prend Boétia, il prend Azura, il fait un trisome et il les gifle à la fin, tu vois.
Et il leur fait, ah, il leur fait faire le tapin, hein, voilà, pour qu'il leur apporte de l'argent. Tu vois, donc je Citis, il est quand même au-dessus. Tu vois, Citis, c'est comment dire? C'est Trump, quoi. Non. Quoi? J'allais dire Citis comparé aux autres dieux, c'est Chronos. Tu vois, c'est quand même un rang au-dessus. Chacun ses références. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'allais faire une comparaison Mercure, Poséidon, machin. Tu sais, t'as Chronos, c'est le dieu du temps. Ça déconne zéro. Il a fallu Zeus pour le bifler, tu vois. C'est pas rien. Bah, c'est bon, les ça. Titans, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est plus gros, en fait. C'est pour ça. Ouais. Et c'est même techniquement l'entité palpable la plus grosse, vu que au-dessus de ça, il y a soit Anu, soit Padomé. Alors, bien sûr, tu pourrais compter les Aedra, c'est-à-dire les 8. Y compris Talos, mais les 8 ont pour particularité, tu sais, Zenithar, Mara, tout ça, justement de pas avoir de forme physique. C'est le gag, en fait. C'est pour ça que ce sont les 8, c'est parce qu'ils se sont fondus, parce qu'ils se sont donnés, parce qu'ils se sont offerts, parce qu'ils font partie de l'univers et de ses lois qui le régissent, tu vois, c'est pour ça. Mais Citis, c'est plus gros, hein, c'est pas... Et moi, je parle pas de Chronos avec un K, je parle de Chronos avec un CH, les enfants, mais oui. Et puis oui, c'est vrai que j'ai pas fait la même que Chronos, mes excuses, c'est Uranus ou Aronos, mais ouais. Mais bon, dans tous les cas, vous avez compris ce que je voulais dire, c'est pour ça. Donc s'ils appellent Citis, ça déconne zéro. Voilà. Nous l'arrêterons. Je crains que ce que Shugzaltsei a déclenché ne puisse pas être arrêté par sa seule mort. Nous devons y mettre un terme définitif. Réduire ce temple dédié aux coutumes antiques au silence. Détruisez les autels. C'est la seule façon de contrecarrer la grande prêtresse. Est-ce une bonne idée de détruire les autels de Citis? Bonne question. Cela fait déjà trop longtemps qu'ils sont érigés. Ils sont dédiés à un Citis qui n'existe plus ou qui n'a jamais existé. Il lui faut du changement. Que ce changement soit bon ou pas, c'est à lui de décider. C'est un bon argument. Vous pensez vraiment que son rituel est très dangereux? Shugzaltsei n'a pas simplement été bannie parce qu'elle s'accrochait aux anciennes coutumes. Elle a renoncé à ce monde. Ses prières d'apaisement sont devenues des appels à la destruction. Je pense qu'elle est revenue finir ce qu'elle a commencé lorsque les tribus se sont dressées pour l'arrêter. Et que voulait-elle faire? Plonger ce monde dans les ténèbres. Voir List se flétrir et mourir. Semer la destruction jusqu'à ce que le grand serpent nous plonge tous dans le néant. Ah, si je puis me permettre, le grand serpent, c'est la représentation... la représentation du rêveur. D'accord. L'entité, voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, petite parenthèse, anecdote, peut-être que vous avez déjà vu, donc bien sûr, ce symbole de l'Ouroboros avec ce serpent qui se mange la queue, mais peut-être que vous avez vu aussi le symbole de l'Ouroboros avec un serpent qui se mange la queue, mais c'est un dragon. Et genre, il y en a deux. Il y a le serpent et le serpent-dragon. Tu vois, c'est un cercle à deux franges, en fait. Voilà, avec un qui ressemble à un serpent-dragon, et un, qui est une représentation de Anu et Padomé, qui est aussi une représentation de Akatosh et Lorcan. Ou qui peut être même une représentation, si tu veux le voir comme ça, de Lorcan et de... Comment ça s'appelle le grand dragon méchant, Alduin. Littéralement, le dragon qui dévore tout, tu vois ce que je veux dire. Dragon qui dévore le rêve, qui dévore le Kalpa. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Donc, il y a plusieurs représentativités. Donc, eux, ils vénèrent le grand serpent au lieu de vénérer le rêveur. Ça indique qu'à la fois ils savent pas de quoi ils parlent et à la fois ils sont lucides puisque aucun autre peuple ne rêve, enfin ne vénère le rêveur. À part, bien sûr, les Argoniens, vu que je rappelle, les Argoniens sont une population qui n'oublie pas. Enfin, dont l'âme se réincarne, etc. Donc du coup, voilà. Vous la croyez capable de cela? Shugzaltsei est revenu d'entre les morts dans ce seul but. Qui sait ce qui est en son pouvoir? La plupart des vermines sont ou ont été des mâtons noirs. Quel est leur lien avec Shugzaltsei? Certains lui sont fidèles car c'est une prêtresse de Citis. Mais je pense que la plupart sont tombés sous sa coupe. Après que les émeutes de la Rose Noire ont détruit la prison, elle n'a pas eu de mal à trouver et dominer des hors-la-loi errants dans les marais. Si elle est là depuis aussi longtemps que vous le dites, je ne m'attends pas à en voir autant de même. La rose a été bâtie sur des ruines.
List seul sait ce qu'il y a enterré là-dessous. Si Shugzalt Sei a été tiré de son repos funéraire, c'est sans doute à cause du carnage des émeutes de la prison. Enfin, nous avons des préoccupations plus importantes. Au revoir. Fantastique. N'oublions pas l'éclat d'âme. Oui. Et il nous a rebalancé les manteaux noirs d'un coup, là. Oui, 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 voilà. Et la rose noire. Pour moi, la rose noire, c'est une guilde que tu peux rejoindre dans Oblivion, si tu veux. Parfait. Le Xandmir. Il manque toujours le boss. Hein. Ouais, mais il y a un deuxième Xandmir là. Oh, ouais, ça doit être dedans. Hein. Ouais, sans doute. Sans doute la prêtresse en question. Oui. Ne nous gênons pas, molestons-la, puis ça devrait bien se passer. Voilà, très bien. Je m'occupe du gauche, allez-y. Perturbé. Oh lolo, oh lolo. Perturbé, c'est quoi? C'est. Perturbe la couille. Ah non, c'est parce que. Ah il d'accord, on est obligé de le faire chacun. Ouais. Quel dommage. Tu es Shugzalt Sei. Ah, il est où? Celle qui dévore le soleil. Ça vaut pas Manco Capac, mais ça déchire. Ça a l'air d'être en bas. Aïe. Attention les pièges. Ils sont pour 10 000 dans la gueule. Attention. Ouais. Peut-être pas. Ils ont l'air de mener. Hein. Ça devrait bien se passer, ça devrait bien se passer. Sympa, cette pote. Ouais, en tout cas, c'est cossu. Je trouve qu'ils font des chouettes environnements dans le jeu. Ouais. C'était les ça. Ça devait être ça, Shugza Sei, hein. Ah. Bon, elle s'est fait molester. C'est pas grave, on prend une chaise, on attend. Écoute. C'est hein. Sa journée à se faire casser la figure. Écoute, hein, c'est pas ça lui apprendra, tiens. Je vais récupérer mes récompenses level 40. Elle ira rejoindre les méchants dans la. Alors. Les méchants du groupe anonyme de vrai Kit Ralph. Voilà. Bowser, tu peux parler de ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien voilà, j'ai tenté d'épouser Peach, mais ce plombier a encore intervenu. Je l'ai pris avec flemme. Il est là. Et toi, Shugzalt Sei? Il est là. Je suis très heureux d'annoncer à la confrérie que j'ai décidé de continuer à sacrifier des êtres vivants. Ouais. Aussi, j'ai décidé de me consacrer à la broderie seulement un jour par semaine. C'est bien. Impeccable. C'est bon, ça nous a validé l'endroit. Et dans le Cities, elle est morte, on gagne un temps fou. Parfait. Hop là. Donc la quête dit que c'est celle qui mange la lumière et pas celui qui mange le soleil. Ah. En même temps, si leurs mots confluents pour lumière et soleil c'est la même, oui, ça fait du sens. C'est quand il y a une éclipse, ils sont là. Qui a éteint la lumière? Oui, un temps fou. Hein. En tant que vampire, Shugzalt Sei ne serait pas une ancienne amante de désastre par hasard? Ah. C'est possible. Elle a un air de famille. Possible que ce soit ma fille, ou bon amante, ou les deux. Venez, les dents de Cities resteront dangereuses tant que les tribus ne nous aideront pas. Ok. Alors, comme ça, on ne retourne pas les attaquer nous-mêmes. Je préfère aller chercher des renforts à l'île Mott, nous reposer, Bob, du coup, et peut-être trouver un repas chaud. Oui, je suis dans le texte. Je suis sûr que Cities préférerait attaquer. Ah oui. Pour le moment, j'y réfléchis sérieusement. Pas de survivants ce soir, non, on est en galère de tournage. Ouais, navré, TGS et toute la guerre. Ok, 3, 2, 1, clic. Le temple semble un peu plus calme. Les épines de l'effroi sont au repos. C'est terminé, n'est-ce pas?
J'ai détruit les autels sacrificiels et éliminé la grande prêtresse. Alors les anciens rites ont définitivement disparu. Et l'histoire de Shugzalsei se termine comme il se doit. Par un nouveau commencement. Nous vous remercions pour votre aide. Lyst a bien fait de vous guider jusqu'à nous. Par un nouveau commencement, au contraire, ça me paraît relativement définitif, ce qu'on a fait. Bon, après, bon. Mais j'ai validé. Ouais, bah valide. Shugzalsei a combattu les vagues du changement plus longtemps que de mémoire. Mais à la fin, l'ancien cède toujours au nouveau. C'est bon. Puisse-t-elle trouver le repos dans le vide? Maintenant que Shugzalsei est mort, qu'allez-vous faire? Morte? Même s'il est mort. Morte? Le parfum des vieilles coutumes plane toujours sur notre temple. Nous irons tous les trois à l'île Moth pour demander aux tribus des Décitis à dégager ces remugles. Si leurs guerriers nettoient le temple, nous y reviendrons. Ces remugles? Remugles? Quelle est cette traduction? Je vais voir si je vais chercher. Est-ce que c'est comme des moldus? Enfin, c'est des remuggles? C'est-à-dire, c'est des... Odeur désagréable de renfermé. Oh, okay. Oh putain! C'est la... Et ben pourtant, j'ai lu. Hein. J'ai lu. Vieux remugle de fascisme. Oh putain, je me considère pas comme cultivé, mais j'ai lu quand même. Je peux écrire hyacinthe sans faire de faute. Mais remugle? Là. Putain. Faites du français avec tes os, là. Ah la vache, je sais ce qu'est un reliquat, mais un remugle? D'où j'ai lu? La fleur à l'état brut dégage un remugle de moisie et de rouille. Eh bé. Remugle, R-E-M-U-G-L-E-S. Là, c'est... Là, il y a le S. En plus, c'est... La prochaine fois que ça sent pas bon, tu peux dire, bah, je vais aérer pour... Ouais, mais c'est en 8 lettres. Éviter les remugles. Non, mais c'est en 8 lettres, donc c'est... Brum, 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 papapapam, papapam, p'ding. Voilà, c'est... Non, mais c'est fou. D'où Jésus, quoi. Enfin, bon. Et s'ils ne veulent pas ou peuvent pas? Dans ce cas... C'est que nous n'avions rien à y faire, et nous irons porter nos enseignements ailleurs, en ayant gagné en sagesse au passage. Bonne chance. Puissent vos problèmes s'effriter. Quoi, tu frites? Tu cherches? Tu cherches? Pardon, excuse-moi. On m'a parlé de frites, donc moi forcément. Mais du coup, dans l'absolu, voilà quoi. C'est ouf, l'argonien qui t'apprend ta culture. Waouh. C'est ça. Oula, 158 sur 160 items. Je pense que c'est un petit moment pour vendre des choses. Vous voulez pas? Ouais. Crane a les couilles pleines, règle le souci. Allez. Au passage, okay. La maison se situe juste au nord, donc c'est le moment de... Tu sors où je le sors? Ah, ouais, tu le sors. Ok, nickel. Oh, c'est quoi ça? Oh. Alors, vendre. Et c'est ambiance cette plante, hein. Oh, l'ambiance. Bon, on attend juste que les potes débarquent. Venez, venez, j'ai trouvé un truc chelou plus loin sur la route. On est en train de vendre. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai récupéré, moi, de beau? Du merdier, une caisse de défense. Ouais, du merdier. Cool. Une caisse de gants tribaux, des cas. Ouais, cool. 126 sur 160, ça ira bien. Merci. Et donc, on a perdu Bob qui est plus loin. Un peu plus loin, ouais. Mais vous allez voir, c'est ouf. Ah oui. Regardez ces plantes. Ah ouais. Voilà. Et ça, je le veux pour la housing. C'est... T'as vu? T'as vu? T'as vu? C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Ah ouais. Moi aussi. J'ai pas fait gaffe. Ça se trouve, il y en avait, mais... Ça fait... C'est stylé, le petit un peu lumineux violet, là. T'as vu? Ouais, ouais. Ok, très bien. Alors par contre, il faut qu'on aille visiter la maison. Ah bah oui, le chemin, tout à fait. Le chemin est juste ici, puis après ça tourne à gauche. Et ensuite, normalement, un petit chemin de terre à travers une grotte à la con. Voilà, très bien. On me l'a survendu cette maison. Hein. Intérêt d'être. L'intérieur est très beau. Enfin, la cave. Ah, mais du point de vue d'un lézard ou... ou genre du point habitable. De vue d'un lézard. Ah merde. D'accord. Ouais, parce que c'est... Ah, c'est le Laos, hein. Moi, ça me sauce pas. Ah, moi, le Vietnam, c'est pas mon kiff. Hein. La Polynésie, tout ça. J'avoue que pour l'instant, l'extérieur, je suis pas... Ah, c'est humide. C'est un Xamir, ça.
Bon. Mais là c'est, on n'est pas à la maison. Quoi. Oui, j'imagine. On doit être dans l'équivalent du garage. Garde-toi où tu veux, de toute façon tout est pourri. Ah ah, y a plein de machins. Y a des zombards et... Par où on monte, ça, c'est une bonne question. Bah pour la rapidité, y a juste à TP dessus quoi. Non mais on va, ouais, non, mais on va trouver l'entrée, ouais. D'ailleurs, un passage sur le côté. Ouais, ça doit être par la gauche. Ça doit être de, ouais, de l'autre côté, je pense. Oh là là, mais il y a tous les Pokémon de l'histoire, quoi. Ah non, je vois pas d'endroit par où monter. À moins qu'on l'ait loupé avant, peut-être. Ouch. Ah, par là. Ouais, ça doit être par là. T'as trouvé ? Attends, je vais trouver un truc, mais... Ouais, en faisant un grand tour comme ça par la gauche. Ouais, si c'est bon, ouais, un grand tour. Ouais, bien par joué, la bien joué. Aïe. Et là, il y a un escalier. La souche. Ok. Je vais vous attendre. Ok, pas mal. Hâte de voir ce qu'elle va donner cette maison. Bon, pour l'instant, par contre, quand on a pris le chemin qui est enfin pas peuplé de monstres avec la belle cascade et tout, j'avoue, pour l'instant, c'est classe. Non, mais là, c'est très chouette. À partir du moment où t'es dans les escaliers, là, ouais, là, c'est impérial. Là, c'est la classe. Là, c'est Ken le survivant, là. Là, j'avoue. Bon, là, c'est plus les chevaliers Zodiac, là, maintenant. Plus Conan, moi, je sais pas. Chevalier Zodiac, Chevalier Zodiac. Le manoir du Xanmir Lacustre. Un maître arconien inconnu de la magie aquatique a équipé ce manoir Xanmir englouti de fenêtres panoramiques qui donnent sur les profondeurs d'un riche lac de tourbevase. La voix démoniaque en mode... Ok. En mode... Alors, F5 pour en mode mettre... Valérie D'Amido. Ah non, on peut pas mettre le... Non, il n'y a pas... Faut l'imaginer avec la voix comme ça. Hein. Vous pouvez observer sur votre gauche un tout à l'égout récemment installé. Bien évidemment, la fibre a été implémentée en même temps que les sacrifices humains. Tout ça pour votre plus grand confort, bien entendu. Ce que je vous l'extérieur propose, a l'air c'est pas très grand. De regarder l'extérieur. Et ouais. D'aller à l'intérieur qu'après, parce qu'il y a un passage à l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Oh. Et il y a surtout une cascade qui permettrait de partir. Je vous laisse le trouver. Alors, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on aille... Bah, explorer là, je suis derrière. Voilà. Donc c'est à base de lacs et de marais. Ouais, c'est très d'accord. Très bon. Et en fait, si on a l'entrée dans notre dos, sur la gauche... Il y a une espèce de petit... Pareil, il y a de l'eau avec une espèce de tourbillon. Ouais, c'est un passage secret. Ouais, voilà. Ouais, et ça, la première fois que j'ai vu, j'ai dit oh, ça serait trop bien que ça amène en bas. Et en fait, ça amène en bas. Oh, c'est stylé. Par contre, vraiment, le petit lac à l'arrière en mode fleur de lotus et tout. Ah putain, ouais, c'est... Vous connaissez le dessin animé Le Roi et moi? Non, moi ça me dirait. Ça me dit quelque chose. Ouais, une Anglaise qui va chez un roi du Laos... Non, le Siam, ouais. Ah, bon. C'est pas un dessin animé à la base. Ouais, moi je racise à donf. Pareil. Donc le Siam, là-haut, c'est en 4 lettres. Avec, voilà. Yul Brynner et... Je sais plus, mais c'est si tu veux. Mais dans tous les cas, ça fait beaucoup penser à ce genre de décor. Oh, par contre, il y a Maser et Segunda qui sont en pleine lune. Ouais, qui sont en pleine lune toutes les deux. Non, attends, elles sont pas complètement en pleine lune. Tu regardes que Segunda est légèrement... Ouais, parce que je rappelle, si un Khajiit naît lors de la double pleine lune, c'est le Dovahkiin. Hein. Enfin, c'est le Khajiit. Et d'ailleurs, tous les autres Khajiit meurent, il faut savoir. Hein. Toutes les portées meurent lorsqu'il y a une double pleine lune. Sauf un, et ce un, ce sera le chat. Genre, le chat avec un C majuscule. Hein. Le chat qui peut bourrer toutes les chattes. Hein. Pas de mystère. C'est très apaisant, en tout cas, l'endroit. Oui, c'est vraiment beau. J'étais pas convaincu, mais de nuit comme ça, avec les lucioles et tout... on peut encore descendre. C'est merveilleux. On peut encore monter. Moi, je suis descendu. Mais y a pas grand-chose en bas. Et on peut pénétrer par le haut, d'ailleurs. On peut pénétrer par le sommet de la pyramide. Ce que je vais faire. C'est vachement plus stylé de passer par le tourbillon.
Bah, c'est sympa, mais ça donne pas envie d'y vivre, quoi. Mais c'est vraiment magnifique, là, la pièce, là, l'esprit. D'y vivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, une maison de guilde ne me paraît pas. Oui, par absurde, exemple, tu vois. Oh non, et l'intérieur, d'accord. Et l'intérieur est merveilleux. Oh là là là, tu dis que ça donne pas envie d'y vivre, mais effectivement, hein. Parce qu'en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais le lac de l'extérieur. Ouais. Voilà, il donne sur l'intérieur. Genre, entre et tu comprendras. Enfin, je vais... Entre. Tu veux que j'entre dans quoi? Parce que moi, je suis dedans, là, je... Et tu pénètre et tu comprendras. Tout en bas. Tout en bas? Ouais. Bon, attends, je viens de sortir au sommet. Alors, mais qu'est-ce sinon, que, par qu'est-ce que j'ai pas compris? Passe par le tourbillon. Ouvre les yeux passé par le tourbillon. Et laisse ton esprit s'étendre. Et tu veux que je descende encore après le tourbillon? Non, non, y a pas, c'est en bas. Mais du coup, on est sous l'eau, quoi. Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça que tu vois, mais c'est ça que je dis qui est classe depuis tout à l'heure. Ah, mais ça tue. Moi, je parlais d'extérieur, tu vois. Oh là là. Putain, bah, c'est une grande pièce vide, quoi, mais c'est juste que les murs sont extrêmement... Ah bah, c'est l'aquarium de Nouméa, quoi, c'est stylé. Mais il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de tout ça. Ah bah, il y a même une petite fontaine et tout. Non, non, c'est merveilleux, je... Oui, mais pas y vivre. Alors, encore une fois, faire des soirées, quoi. En maison de guilde. Ah, oui. Si, on peut descendre encore. On peut descendre encore au niveau mais de oui, on peut descendre après. Oh, et le sous-sol, tu transformes ça en bain turc gay. C'est-à-dire en bain cure de joyeux, voilà. Très bien. Mais du coup, ouais, la petite musique est chouette, elle est plaisante et tout. Bah, c'est de la flûte, mais bien faite. En tout cas, très stylé. Hein. Ah. Passons par le tourbillon, fais voir. Ouais, une vraie maison pour les Argoniens. Mais une vraie maison pour les Argoniens qui n'est pas juste un tas de merde. C'est cool. Oui. C'est pas une, ouais, juste un tas de boue comme d'habitude. Ça. Est-ce qu'on peut sauter depuis l'espèce de petite cascade dans l'extérieur du... Oui, voilà. Et tu vois la maison qu'ils nous ont offert là, des psychiques. Oui, on peut, et ça nous bute. Très bien. Très bien, très bien. Oui, celle-là, ouais, la maison psychique, ouais. Tu as trouvé un endroit à mourir. Oui, 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 mais on peut. Très bien, très bien. Mais sinon, voilà, plutôt impressionné, en tout cas. Oui. Ouais, ça rend bien, ça rend bien. Bon bah écoute, je propose qu'on progresse. On a assez vu, il y a une place pour un trône. Hein. Oh là juste là. Un endroit que je voulais voir. Si on nage tout derrière, c'est là que t'as été nager ou pas? Moi oui, je m'étais promené à l'arrière. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux potentiellement aménager aussi à l'extérieur. Ouais, tu vois, l'extérieur, l'arrière surtout. Hein. Moi l'arrière, le lac, l'étendue qui est merveilleuse. Hein. Et du coup, tu t'es bouffé par des poissons si tu vas dedans loin ou aucune idée, j'ai pas testé. Je vais tester. Vas-y, vas-y. En attendant, moi, je me téléporte à l'oratoire et je vous invite à m'y rejoindre quand vous pourrez, ça vous coûtera pas d'argent. Hop là. On ne peut pas la meubler, chers amis, parce qu'elle n'est pas à vendre. Pour le moment, pour le moment. On peut pas monter sur ce truc en plein milieu, là? Ah, on peut pas, hein. C'est frustrant. Enfin, on doit pouvoir monter en posant des trucs, je pense. Oh, il y a tellement peut-être une sorte de pont ou je ne sais quoi. Ouais. C'est très joli, mais encore une fois, c'est pas un environnement pour mon personnage. Cependant, ouais, un bel endroit comme ça qui serait bien meublé et bien aménagé par quelqu'un, je serais curieux de visiter ça. Ah oui. Parce que là, c'est beau. Mais voilà, oui, c'est exactement comme le tu vois, c'est comme le Siam, c'est beau à visiter mais j'irai pas y vivre. L'instant racisme. Impeccable. Je suis sympa. Donc bon, allez, dans la petite sur toi. Ouais. Moi je suis plus en groupe avec vous bizarrement. Ah mais alors. Ah c'est moi le chef. Le chef. Je t'invite. Merde, où sont mes amis? Alors, ce TP sur Bob. Vous avez invité Désastre Sombre Écaille dans le groupe. Très bien, il a rejoint. D'ailleurs, je vous invite même, histoire de faire d'une pierre deux coups, à ne pas rallier Rage, Cal, Silane tout de suite, mais d'aller au sud pour prendre les gravats des cavernes de Souffert. Il y a quelque chose qu'on a oublié de faire, qu'on avait dit qu'on ferait. Qu'est-ce qu'on ferait? Allez, caisse! Ouais. Allez, caisse! Caisse, les gars! On a oublié. Bah non, mais ramenez-vous. Ramenez-nous dans ce cas-là et ouvrons les caisses.
Voilà, Crane. Flash torche. Voilà. Chaton qui nous donne, le ton, ça fait plaisir. Vous avez accepté les caisses T'as accepté les caisses toi déjà, Désastre? C'est-à-dire accepté. Là, je suis en chargement. Là, je t'avais offert 4 caisses, il me semble. Ah oui, je les ai eues, merci. Très bien, très bien. Donc, on patiente 5 secondes. Ah merde, Chaton, il a coupé musique. La musique. J'étais en train de danser et tout. Ouais, bon, c'est pas grave. Par contre, il est ultra stylé ce chaton, hein, je tiens à dire. Ah, il rejoue. Voilà. Les tatouages lui vont très très bien. Ah bon ? Ouais, bah oui, bah là où ça ferait très gay sur un homme, sur un chaton, ça lui va très bien, je trouve. Ça rend le chaton très très joyeux. Très gay, donc. Mais c'est purement stylé. J'adore son chapeau, by the way. Merci, mais de rien. Par contre, son prénom est absolument imprononçable. D'ailleurs, je me demande si Wurst, ça veut pas dire saucisse en allemand. Enfin bon. C'est Wurst, je crois, non ? Ouais, peut-être. Après, je sais pas pour le CH. Ah, vous êtes prêts pour les caisses ? Ouais. Les caisses, allez, mon gars ! Je suis content. Allez, deux, et y compris la caisse Ouroboros. On commence par quoi ? Le Ouroboros ? C'est une Ouroboros, allez, vous êtes prêts. 3, 2, 1, caisse. Allez, vas-y, chaton, sauce moi ! S'ouvrez. Choisissez vos récompenses. Que de la merde. Étonnant pour cette caisse là. À la prochaine. Tant pis. Allez. Enchaîne la caisse à Ojack. T'es prêt déjà? Vous accompagne, ouais. Allez, tu nous sauces, c'est parti, chaton. Je suis sûr que vous aurez la main. Fais-moi rêver. Oh la carte bonus. Ah, moi aussi. Moi non. Ah, violette par contre. Que violette. Le blaireau au cœur neigé, mais j'en ai déjà un. Sucrerie du festival. Oh, le dromadaire tatoué. Oh la chatte. Oh la chatte, mon gars. J'avoue. Regarde. Alors ça. Mon rigolesse, c'est un marquage facial. Il est parfait. C'est bizarre d'avoir un marquage facial comme ça en violet. Ouais, ça dépend. Juste un pauvre trait sur l'œil. Oh, je peux le faire cracher. Alors, marquage facial, griffe de Rocky Beg. Regarde ça. Oh là là, je suis jalousie. Il est trop classe. Je peux le faire cracher sur des astres. Attends, regarde. Blip. C'est adorable. Ouais, mais sinon, bon, j'ai un dromadaire. Marquage facial. Ce sera utile lorsqu'ils feront une extension pour Elsewhere. En attendant, reprenons notre goire. Voilà. Fou. Cicatrice faciale. Est-ce que je viens de gagner? C'est quoi? C'est ça. C'est une griffure sur l'œil. Ah non, même pas. Ouais, c'est un tatouage sur l'œil. Très bien. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une deuxième caisse? Parce qu'on était parti pour en ouvrir trois, de toute façon. Ouais. Attends. Faut juste que je revienne. Hop. Tac. Si vous voulez. Tac. Ok, on y va? Allez. La caisse, mon gars! Sauce-nous, chaton! Fais-nous rêver. Dans la cinquième. Bleu. Le crâne interrogatif que j'ai déjà. Vous pourrez échanger. Et la tunique du temple que j'ai déjà. Voilà. Chemin d'XP. Et tatouage facial, ok. J'ai déjà le Skull Ponder, mais écoute, good enough. J'ai quand même 800 gemmes à couronne, hein. Alors que j'en ai dépensé en plus. Bon, bah il me restera deux. Être plus tard. Ou ne pas être, il faut constamment troller. Hop, d'ailleurs, en parlant de ça, on va aller vendre. Alors, on me dit que c'est de l'alsacien et ça veut dire saucisse de foie, donc en fait, c'est saucisse de foie en allemand, très bien. Extraction. Ouais, mais c'est libre de vente, le saucisse de foie. Il y en a du bordel. Sud de la ville. Très bien. Je pars un peu en avant, suivez-moi. Attends, je suis en train de vendre le surplus des caisses. Reste, on va dire qu'on va garder. Merci beaucoup, Pragmat, pour le sub. Bienvenue à toi. Suis la route, mon cher Crane. Sur ta gauche. Attends, tu veux pas. Donc on va pas parler à Rashkal Silam, c'est ça ? Pas tout de suite. On va d'abord récupérer le bout de caillou et ensuite on va parler à tout le monde. D'accord. C'est pas très loin, il y en a pour une centaine de mètres. Oui, non, t'as raison, Et je pense que ça doit être le donjon. Ouais, mais c'est un donjon à une pièce, donc c'est pas non plus. Ah bon ? Ah oui, c'est une antre, non ? Sinon, c'est un vrai donjon. Enfin, c'est. Ouais, c'est une antre. Il va falloir trouver un fragment et un bout. Ouais, c'est ça. Sûr de ça ? Ah putain, effectivement, il y a un connard devant. Ah !
bah tant pis, on garde le bonheur pour juste après. Le journal de Dradeva. C'est bien, c'est bien. Ah, ça parle des voriplasmes. Oh. Faut lui parler. Aïe, aïe, aïe. Je vais attaquer par les Pokémon. Oula. Ils sont vénères ces trucs, hein. Amibéco, par ici. Et merci beaucoup à Soul Staphyr Coex. Qui rejoint c'est compliqué. Bienvenue. Alors, il y a Dradeva, il faut lui parler. Ok. C'est une nouvelle quête, Dradeva. Ouais, bah c'est pas grave. 3, allez. 2, 1, kick. Peau sèche, vous parliez avec les conservateurs Cyrodiliac. Vous êtes avec eux. M'aideriez-vous à mener à bien une tâche cruciale et sacrée? Et c'est quoi son J'aime nom, elle? Son look. C'est celle qui accélère parce qu'elle a des poignées de Harley Davidson. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'elle est fin. Bah elle est designée comme une manette de Nintendo 64, si tu veux, c'est compliqué. Et moi, je l'aimais bien. Voilà. Non, sa tenue est sympa, ça fait... Non, mais sa tronche est sympa aussi, je me fous de sa gueule, c'est tout. En quoi avez-vous besoin d'aide? Les actes de mes ancêtres me couvrent encore de honte. Lorsque la 9e Légion Impériale est entrée dans Tourbevase, mon parent éloigné a accepté de leur servir d'éclaireur. Et depuis, la famille de Couvée se voit taxée de traîtrise. C'est culturel. J'aimerais effacer cette souillure. C'est culturel. Comment laver le nom de votre famille d'œuf? Guidée par mon parent, la 9e Légion a disparu. Je crois avoir enfin découvert où la troupe s'est arrêtée. Les cavernes de Tsophir. Mais on raconte qu'il s'y trouve des Wujuka. Je ne peux pas explorer ces monstres sans aide. Accepterez-vous de m'accompagner? Je vais explorer ces monstres. Où ça? Non, c'est la phrase. Je ne peux pas explorer ces monstres. Ouais, non, ça fait pas de sens. Ah oui. C'est vrai que. Ou alors bon, il va peut-être pas l'aider finalement. Non, mais pourquoi pas? Il y avait tous les autres. Je pense que possibles, c'est. Je ne peux pas explorer ces cavernes sans aide. Ouais, c'est possible. Ou éviter ces monstres sans aide. Je vais vous aider à explorer les cavernes de Tsophir. Mes frères et sœurs de Couvée ne s'intéressent qu'à l'ici et maintenant. Mais j'ai toujours pensé que l'histoire me permettrait d'innocenter notre ancêtre. Nous allons trouver quelque chose dans ces cavernes, je le sens, si le Wujuka nous laisse tranquille. Qu'est-ce que le Wujuka? Des légendes sinistres courent sur les cavernes de Tsophir. Des histoires d'un monstre nommé le Wujuka. C'est une sorte de puissant voriplasme. Une énorme masse de magma maléfique qui émerge parfois pour causer des dégâts immenses. Et si on était dans un vrai jeu vidéo, il faudrait une arme spécifique pour le vaincre. Bon. Parlez-moi de vos ancêtres. Jin Rajul était un éclaireur de renom et respecté. Les impériaux le convainquirent de les aider. Je pense qu'ils ont eu recours à la force ou la menace. Aucun rejeton de nos couvées n'aurait pu nous trahir. J'ai bien l'intention de le prouver, avec votre aide. Bon bah, good enough. Au revoir. Good enough, allons-y du coup. Pénétrons. Hop. Un réseau de grottes spacieuses alimentées en eau à Tourbevase serait utilisé ou habité par les Argoniens voisins, mais même l'agressive tribu d'Aigues Mortes évite la caverne de Tsophir. Tout cela à cause d'un mot terrible, le Wujuka. 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 Ouais, il faut le faire avec les voix. Wujuka. Wujuka. Avec la voix qui se bute. Est-ce que je peux en profiter pour couper juste la VOD 5 secondes? Alors, il y a un petit indice là-haut. Oh, il y a un camp d'impériaux aussi bien conservé. Bah, alors que c'est plusieurs générations, quoi. Oh, c'est dingue. C'est du bon matos. L'éclaireur argonien que nous avons engagé est un vrai don des Edra. Jin Rajul semble connaître ce marais sur le bout de ses doigts écailleux. C'est lui qui a suggéré que nous campions dans cette grotte. En plus de nous protéger des éléments et d'être facilement défendables, il paraît qu'une arme puissante avait été dissimulée ici jadis. Quel avantage pour l'Empire si nous venions à nous en emparer.
La Légion 9 n'est pas la seule dans cette grotte. Quelque chose ou quelqu'un a éliminé les gardes de notre périmètre et nos patrouilles d'exploration. Notre éclaireur Argonien affirme qu'il n'y a rien d'autre ici que la Légion et estime que mes soldats ont déserté et fui les lieux. C'est ridicule! La Légion 9 n'abandonne jamais! Je pense que Jean Rajoul ne me dit pas tout, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà la preuve. Mon ancêtre et la 9e Légion sont bel et bien venus dans ces cavernes. Continuons de chercher. Ça a coupé, ouais. Elle me parle. Bob. Quoi, ouais, non. Non, on m'entend ? Oui. Oui. Oh, pardon, elle me parlait, en fait, c'est pour ça. D'accord. Dradeva s'excitait en disant « Voilà la preuve ! Mon ancêtre et la 9e Légion sont bel et bien venus dans cette caverne !» Bon. Oui, bah, ton ancêtre était un beau... un bel enculé. Mais bon, après... après, il défendait sa nation, donc, tu sais, c'est... c'est légitime, mais bon. Après, bon. Personne va se plaindre de quelques impériaux morts. Aïe. Je veux dire, après tout, les mecs, ils ont le nom. Ils ont impérialisme de leur nom, donc. Ouvrez l'œil si vous voyez le fragment. Ils payent, hein. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Non plus. Il y a des... Ah là, il y a un truc à ramasser ici. Nouveau bouquin. Ah. Maudit soit Jean Rajoul. Il a dû mener la Légion 9 dans cette grotte exprès. Tout est allé de travers. Cette chose a dévoré la moitié de mes troupes. Et à présent, elle est plus grosse que jamais. Je dois faire sceller l'entrée tant qu'il me reste assez d'hommes. Cette chose ne doit pas menacer les intérêts de l'Empire dans ce trou boueux. Ok. Encore une preuve que mon ancêtre et la 9e Légion ont exploré ces cavernes. Très bien. C'est pas sexy à frapper des blobs. Oui, c'est surtout que ça fait aucun sens. Je vais voir ce qu'il y a par là. Il y a peut-être le cristal caché. Je pense pas, mais... Je veux dire, le principe d'un miasme ou d'un slime, c'est que justement tu peux pas le blesser à l'épée, quoi. Non, ça fait pas de sens. Voyons voir. Charge enversante, lance ardente. Oui, j'ai ça. C'est quoi, c'est un trou après ? Je pense qu'on meurt, ouais, si on tombe. Tu veux essayer ? Non. Bonsoir Fred, bonsoir Mouy. On est d'accord, pas de cristal. Aïe. Non. Yeah, augmentation. Padabada. Là, il y a une plante carnivore. Bon. Ah non, c'est juste une animation. Ouais, c'est ça, elle m'a pas cassé les couilles. Là, y a rien. Y a toujours rien. Ya. Ouais, on prend tout le monde. J'ai vu ton petit rayon. On fait venir tout le monde, on va fêter plus folle. Tu l'as pas fait exprès. Bon. Mais il va où il est ? Non, il machin, il se barre. S'il décide de se barrer, c'est moi je m'en fous. Hein. C'est pour lui. Il a pas de décision, ça c'est dit. Dieu qu'ils sont nombreux dans cette caverne à la con. Voilà, faut mourir madame. Impeccable. Un plus, c'est... Toujours c'est pas. Pas là. Toujours rien. Droit. Il y avait rien, pas de bouquin, je sais pas pourquoi, non. Ah, regarde. Ok. Ouais. Ça a été ouais. Mort par là du coup des astres. On est dans la bonne. Il y avait des mobs, je vous ai suivi. Ouais, t'as bien fait. On est dans la bonne route là, il est là le cristal. Le fragment d'âme, on l'a.
Nice. Il n'y a rien de plus satisfaisant que le cri de guerre de mon perso lorsqu'il se libère d'une... d'une aggro, en fait. Lorsque tu te fais stun, et qu'il fait le... Genre, nique ta race. Je vais frapper le Wamasu. Trop vénère. Ouais, allez. tu vas sauter dessus. Voilà, là. Bon, là, il y a les notes. Okay. Alors... Ah, oula, il y a deux papiers, si je puis me permettre. L'autre du dernier légionnaire. Je suis peut-être le dernier survivant de la Légion 9. Je n'en ai trouvé aucun autre. J'ai quelques talents en magie, ce qui m'a sans doute aidé à rester en vie jusqu'à présent. Mais surtout, je comprends un peu la créature qui nous a vaincus. Les traîtres argoniens la nomment Voriplasme. Mais elle diffère de tous les spécimens que nous avons vus en dehors de la grotte. Celui-ci est plus fort, plus grand, plus résistant. Jinrajul l'appelait Bujuka. Et je pense qu'il nous a menés ici exprès pour qu'elle nous dévore. Il y a une table ou un sorte d'hôtel. Ça doit être la clé pour arrêter le Bujuka. Si seulement... Ah, malédiction, la créature projette des bouts d'elle-même sur moi. Je ferais mieux de l'écrire. Ah. Mais c'est exactement ce que je pensais. Le sort de la Légion est de plus en plus clair. Ah pardon, excusez-moi. Mémorandum impérial. Membre du Conseil impérial. Pour commencer, merci encore de m'avoir donné cette occasion de servir l'Empire. Je ferai tout en mon pouvoir pour constamment être digne de la confiance que vous me témoignez. Ensuite, j'ai cru comprendre que certains membres du Conseil s'interrogent, voire s'inquiètent de ma décision de prendre le commandement de la 4e Légion du Marais Noir. Pourquoi conquérir un maudit marais alors qu'il n'y a des lieux plus importants, m'a-t-on notamment rapporté ? Ces mots provenaient de la bouche d'un membre éminent du Conseil. Bien sûr, je me plierai toujours à votre infinie sagesse, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce maudit marais est nécessaire à la sécurité future de l'Empire. Le marais noir couvre une bonne portion du sud-est de Tamriel. D'après notre exploration depuis la côte, le marécage intérieur est aisément aussi vaste que Vartenfell ou bord de ciel, l'Enclume. Et contient un réservoir intact de ressources et de richesses. Si les lézards ne l'exploitent pas, autant le faire nous-mêmes. Et que dire des lézards eux-mêmes ? Voulons-nous vraiment laisser ces primitifs se gouverner eux-mêmes ? Cela exposerait nos frontières à une attaque s'ils devaient un jour voir apparaître un chef charismatique en leur sein. Pourquoi attendre l'inévitable ? Mieux vaut agir maintenant et tracer notre propre destin. Après tout, c'est bien là la tradition impériale. Eh bien... Petit impérialisme classique, blablabla, général Augurius Bucco, donc absolument pas la voix que je lui ai fait, super. C'était juste quelqu'un qui était très méchant. C'était absolument pas un argonien. Je le disais. Voilà, ça avait l'air mais d'être mais ça avait l'air de te faire plaisir de faire une voix voilà. De l'argonien. Bah, je ça pensais... faisait longtemps que t'en avais pas fait. Mais en fait, je pensais très sincèrement que c'était la note de l'argonien en question qu'on cherchait, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on a fait qu'avoir des notes des gens, et là c'était le dernier gars qui était mort. Donc je pensais que l'argonien il avait lâché une note du genre c'était le dernier, je les ai évités, je vais mourir ici, mais au moins le marais est sauf, tu vois. Mais en fait, non. Donc faut juste imaginer que c'est le gars comme dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, celui qui est avec le roi du Rouen là. Fourche langue ou je sais plus quoi. Langue de serpent. Voilà, c'est ça. Le mec d'ailleurs complètement trustworthy, Grima. Hein, c'est. Grima, ouais. C'est complètement trustworthy, hein, c'est. Je vais prendre un conseiller. Je le sois en cœur de foi, honneur de force. Langue de serpent. Père de fils de tradition et langue de serpent. Mon roi, vous vous êtes assuré que je vous apporterai les meilleurs conseils contre toutes sortes de prédicaments. Ça m'a l'air fiable. Engagé. Tu veux tout pouler, toi? Oui, et ça passe. Et y'a météor. Tu vois que ça passe, il avait raison. C'est juste de claquer les ultras. C'est ça. Par contre, mon perso en AE, c'est une triche. Ah oui. Ah bah, il faut sortir le loup-garou, hein. Oh, pour ça. Ah bah, si tu sors le loulou, on les bouffe tout. La dague rituelle de Tsolfir. C'est une dague sacrificielle, sans doute utilisée par les anciens pour le rituel du lien. Maintenant, il faut trouver l'autel. Ah. Donc elle nous demande de trouver un hôtel.
Qui a pas le budget. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui a comment s'appelle le truc pour savoir quels sont les meilleurs endroits L'App Store, je me souviens plus. Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Je me souviens plus, monsieur. Hop. TripAdvisor, merci. Ouais, bah je suis allé dans cet hôtel, mais je me suis attaqué par un voroplasme. 4 étoiles c'est sur pas 5. Terrible. Le vorotelasme était très poli et très disponible. Vraiment une équipe souriante. 5 sur 5. Merci Maquet pour tes 18 mois. Merci beaucoup Ebim. Et t'as toujours un gars pour dire oui, les voroplasmes nous ont dit ni bonjour ni merde. Et lorsqu'on a demandé s'il y avait des toilettes pour ma femme enceinte, ils ont mis 5 minutes à m'apporter un verre voilà d'eau. Il y a toujours un connard comme les ça. Les anciens utilisaient pour préparer accueil le rituel du lien. C'est ça, c'est ça. Accueil très froid. Mais il y a toujours un fils de pute pour pas comprendre qu'en face de lui, il a des êtres humains qui bossent et qui ont une vie aussi, tu vois, qui sont pas forcément parfaits tout le temps. Donc c'est bon ça. Alors, incursion impériale, recrée d'un officier. Blablabla, il déteste l'endroit, il trouve que c'est pourri. Son frère. Il veut passer du temps avec sa sœur. Ah, d'accord, c'est un gars qui est là. Hey, gars, mon cher frère, pourquoi ce châtiment? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu glisses quelques mots favorables au sujet de ta sœur qui t'aime tant? Blablabla. D'accord, donc en fait, il voulait baiser sa sœur, mais il l'a envoyé loin en fait. Très bien. Ça fait du sens. Ok. Intéressant. Non, mais c'est. Écoute, hein. Y a un mec qui veut baiser ta sœur et il t'appelle Frangin d'avance, comme ça. Bam, tu l'envoies au marais noir. Tout de suite, ça le soigne de l'envie de respirer, tu vois. On gagne un temps fou. Ok, Dradiva. 3, 2, 1, clic. J'ai appris que mon ancêtre a trompé la Légion. Il l'a mené ici pour sauver Tourbevaz. Quand les légionnaires ont scellé les cavernes, ils ont interrompu le cycle. Cela fait des siècles que personne n'a lié le Wujuka. Alors, c'est à nous de le faire. Et comment pouvons-nous lier le Wujuka? Je vais préparer la dague et l'autel sacré d'après les récits que m'ont fait les anciens. En attendant, je veux que vous affaiblissiez le Wujuka. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons effectuer le rituel. Et comment puis-je l'affaiblir? Parce que ça fait déjà 2 fois que j'ai dit Wujuka. Le Wujuka est une énorme masse de voriplasme qui interagit avec le monde via ses extensions propres. Les voriplasmes les plus petits, rôdant dans ces cavernes, appartiennent en fait à un tout bien plus grand. Là, c'est à toi, Bob, de la dire, celle-là, je pense. Une énorme masse de glu maléfique qui crée des extensions d'elle-même. C'est... Je... Très bien, c'est compris. D'après les histoires, le Wujuka crée une extension de lui-même pour garder la masse. Trouvez cet énorme gardien voriplasme et détruisez-le. Cela devrait affaiblir le Wujuka et le rendre vulnérable au rituel du lien. On l'affaiblit, puis on jette la Pokéball, compris. Et que se passera-t-il si nous n'arrivons pas à lier le Wujuka? Le Wujuka est différent des autres voriplasmes. Il possède une intelligence et un appétit différents des simples créatures rôdant dans le marais. Une fois sorti de la caverne, il se répandra et dévorera l'intégralité de Tourbevaz. Eh ben c'est formidable! Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Très charmant ce monsieur. Moi je... Bon, la vraie question, c'est est-ce que c'est un voriplasme classique qu'ils ont mis en plus gros ou est-ce qu'il a un skin différent? La vraie question, c'est en termes de lore, est-ce que c'est intéressant de le lâcher sur Tourbevaz? Est-ce qu'on a besoin de Tourbevaz? Oui. Il y a des gens qui vivent. Des gens. Définis gens. Ils ont des écailles. Non, déjà t'as tout faux. Déjà, de base. De base. De base, là, je fronce les sourcils et je commence à tousser en faisant « recommence ». Je suis sûr que t'étais pas réveillé. Ah, mais c'est ça, gardien. Attends, de Wujuka. Regarde sur son front. Elle a un cœur. Le front de qui, de quoi?
Bah du Pokémon là en face là, Argonienne là. Ah bon. Oui, regarde. On est loin nous. Au-dessus de son nez. Mais parle-lui. Attends, faut que... on est loin. Mais parle-lui. Faut voir le cœur. Oh relou. Là un cœur. Ah ouais. Un cœur. Cute. Ah oui, c'est vrai. Cute. Ok, ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu. Rien ne pouvait me convaincre que les Argoniens possédaient une âme. Cette choupette lézarde mérite que l'on la protège. Alors, ah d'ailleurs tiens, on peut grimper ici. Avec les désastres. Je suis très content que tu me considères comme ton ami. De quoi? Enfin. Gardien de Wujuka. Et ya. Donc ça, ce serait le boss, c'est le truc dont il nous parle depuis tout à l'heure. Non, si on le bute, ça devrait sortir le Wujuka. Ah. Ouais, non. D'accord. Ouais, en plusieurs... La musique est épique. Qu'est-ce qui se passe? La foi. Non, c'était vraiment le boss. Hein. Ouais, ouais. Mais il faut pas le dire. Impressionnant, hein. C'était impressionnant. Après, c'est une entre. C'est ouais. Tout. C'était juste. C'était juste ce tas de sperme là. Le Wujuka, ils nous l'ont un peu vendu quand même. Hein. Ouais. Attends, comment on monte? Est-ce y a pas moyen de non, c'est par la droite. C'est par la droite. C'est par la droite. Ouais. Il y a la quête là. Et d'ailleurs, au passage, le caillou qui nous manquait. C'est marrant, ça ressemble à une chiotte. Regarde. Récupère la cuvette de Tsofir. Vous avez des chiottes argoniennes. Elles sont en pierre, c'est normal. Oh, c'est stylé là. C'est bien ce petit pilier. Attends, elle fait un truc stylé, elle met du sang. Comment ça? T'as déjà appuyé toi? Non, ça se fait tout seul. Vas-y, allume le brasero. Et vite, 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 priez. Le rituel du lien est terminé. Retrouvez-moi dehors, nous pourrons discuter. Oh là là, classe. L'endroit est pas mal. Hein. Les tentacules. Du coup, on peut marcher dessus. Bah apparemment, tu vois ce gros miasme, ça a l'air d'être justement le voroplasme. Ouais. Donc le fait de l'avoir lié, il sortira plus. Donc du coup, bonne nouvelle. Enfin, on a encore sauvé le monde, quoi. Ouais, mais vraiment, c'est tourbevasse, tu vois. Oh non. Bon, et ben sinon on s'est battu contre des voriplasmes, un scénario maillard. Excellent. Quel? Faut lui parler à l'extérieur aussi. On va pas avancer la quête principale, mais on a bien avancé les secondes. Ouais, là, on va pouvoir avancer la quête principale. Et puis au moins, on a récupéré aussi les trois morceaux de chiottes que l'autre voulait récupérer pour Citis. Ce qui me paraît, encore une fois, être une décision peu... peu... Comment ça s'appelle? Peu documentée. Voilà. Encore une fois, je veux bien que Citis existe, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a déjà suffisamment de gens pour l'aider pour que nous, en plus, on... Ah, bon. Enfin bon. Dradé, 3, 2, 1, clic. Ces documents prouvent que la Légion perdue a trouvé sa fin dans les cavernes de Tsofir. Ils prouvent aussi que mon ancêtre l'a guidée ici pour protéger Tourbevase. Et surtout, nous avons piégé le Wujuka avec le rituel du lien. Il prouve surtout que ton peuple a commis un crime de guerre. Lourd. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Combien de temps le rituel du lien retiendra-t-il le Wujuka? Pour des saisons et des saisons, l'ami. Et j'informerai les anciens des tribus les plus proches. Ils prendront de nouveau la responsabilité de maintenir le rituel. Je n'aurais pas pu accomplir tout cela sans votre aide. Merci. Vous pensez vraiment que votre ancêtre a fait exprès de mener la 9e Légion jusqu'ici? Oui, tout à fait. Il savait que les tribus n'étaient pas assez fortes pour s'opposer à la 9e Légion. Alors il a donné sa vie pour les mener au Wujuka.
Je suis vraiment fier de faire partie de sa famille de couvées, mon ami. Cela devrait laver l'honneur de votre famille, n'est-ce pas ? Non seulement ces preuves rendront son honneur à ma famille, mais par nos actions, nous avons sauvé tout Tourbevaz. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. S'il vous plaît, acceptez ce modeste cadeau en signe de reconnaissance. Merci. Oh. Eh ben, elle était très gentille. Ah, voilà. Pas fini. 5 sur 5. J'ai hâte de parler de notre ancêtre à mes frères et sœurs de couvée. Et concernant le Wujuka ? Le lien va tenir un moment. En attendant, je vais parler aux anciens des tribus proches et m'assurer qu'ils restaurent les traditions du passé. Tant que les aînés effectuent régulièrement le rituel du lien, le Wujuka restera contenu. Votre famille de couvée cache-t-elle d'autres secrets ? Oh, évidemment. Je parlerai peut-être même au conservateur Cyrodiliac. Comme mon peuple n'a que faire de son histoire, les étrangers pourraient m'apprendre une chose ou deux. En tout cas, puissent les rivières toujours couler dans votre direction, l'ami. Merci bien. Eh bien, 5 sur 5, Dradeva, gentille lézard choupette absolument adorable, j'ensemencerai bien ses œufs. Allons-y. La réaction dégueulasse, tu sais. On est juste au nord, on peut parler à Rajikal, Niswo Uxal. Ah, et... elle est pas loin. Et rapporté à la tablette calendaire, il me semble que c'était le seul. Ouais, il me semble que après, oui, ça se passe dans la ville. Oui, parce qu'il y a le gars qui voulait. Comment dire, le Niswo, tu sais, le gars qui fait partie du culte de Citis. Donc on peut même commencer par lui, tu sais quoi, histoire de terminer avec ça. Et enfin enchaîner avec. Avec Big Lézard. Lui, il est sur la gauche. Il est là, ouais, allez trop loin. Pardon, il est sur le rempart. Ouais. Encore une fois, décision peu documentée, allons-y. Avez-vous trouvé les pierres tombantes de nos erreurs passées ? J'ai récupéré les morceaux de ruines, si c'est ce que vous voulez dire. Exactement, ces ruines représentent d'anciennes croyances stupides. Notre peuple se croyait pierre, inamovible et inchangeable. Il s'abritait du présent de Citis. Ce n'est qu'avec l'aveuglement du passé que je peux créer une vision du présent. Et vous allez donc créer de l'art avec des débris ? Non, plus que de l'art, une offrande. Il y a une époque où nous avions peur des murmures de Citis. Aujourd'hui, nos langues prononcent ces paroles. Vite, allez chercher un marteau dans l'entrepôt. Je vais chercher le marteau. Mais non, mais... Alors, hâtez-vous. Allez chercher ce dont nous avons besoin. Mais... En quoi la création artistique honore-t-elle Citis ? Mais... D'après vous, qu'est-ce qu'il y a de peint sur une toile vierge ? Mais... Au revoir. Exactement. Au revoir. Et c'est uniquement pour cela que quelque chose peut être produit. Au départ, il n'y a rien. Ensuite, il y a quelque chose. Telle est la volonté des choses. Telle est la volonté de Citis. Du coup, vous avez fait au revoir ? Ah bah moi non, j'ai cliqué dessus, c'est une blague, mais... j'ai fait au revoir. Mais tout le monde a fait au revoir ? Ah non, au revoir. Moi. Très bien. Moi, je l'ai au revoirisé, de toute façon. Alors, hâtez-vous. Voilà, de toute façon, il faudra aller chercher un marteau pour ce con, quoi qu'il advienne. Et ces élucubrations m'épuisent. On va retourner sur la quête qui moins m'intéresse. Qui est de savoir comment nous avons culturellement roulé sur tous les... Où est l'étranger ? Les sables mouvants l'ont avalé. L'étranger approche avec le lys sacré. Cela fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Hein ? Mais Watches. Oh ! Avancez, étranger. Ce passif agressif. Ce n'est pas possible ! Mon ami étranger va vous expliquer. Et si... Je vais ramener Boki chez lui. Eh ben, parlons à Oh, c'est stylé. Parlons à Rajkal Silan. 3, 2, 1, clic. Le lys sacré. Il représente les espoirs et les rêves des Nagakur d'Aigues-Mortes. Il a fallu de trop nombreuses saisons pour qu'on m'en présente un à nouveau. Et par un étranger avec ça. J'ai emprunté le sentier du lys.
et rapporter la fleur, comme Kishi l'avait dit. Je ne fais pas confiance aux étrangers, mais je respecte la force. Kishi vous a bien formé, et vous avez réussi là où de nombreux novices avaient récemment échoué. Je lève ma crête à contre-cœur, en signe d'admiration. Ah, heureusement qu'il porte un casque. Honorerez-vous la demande de Kishi concernant l'entraînement des novices? Je n'aurais jamais dû accepter la démission de Poki. C'était une erreur qui a fait beaucoup de mal au Nagakure. Kishi sera notre entraîneur de guerre. S'il peut former un étranger à arpenter le sentier, imaginez ce que nos novices sauront faire! Et que va-t-il arriver à Mewajez? Mewajez a entraîné les novices, comme je lui avais demandé. Tout échec de sa part est en fait mon échec. Je lui ai demandé d'assister Kishi et d'apprendre à ses côtés. Espérons que leur partenariat nous rendra plus forts. Et maintenant, allez donc annoncer à Kishi ce que je vous ai dit. Ah bah voilà, bravo Crane, hein? T'as vu, notre interférence culturelle a fait que maintenant, leur population va pouvoir créer des guerriers et continuer d'harasser les autres populations environnantes. Alors qu'avant, ils s'étaient mis comme des glandus, à cause de leur propre tradition, dans un test qui les mono-énucléait tout seuls comme des grands. Et maintenant, on a débloqué le problème. Ah bah bravo. Voilà, un bel plus, exemple de colonialisme impérialiste. En plus, maintenant, c'est des tricheurs. Oui. En plus, maintenant, ils unissent leurs forces, tu vois. Alors qu'il n'y en a aucun qui se suicide pour leur échec. Donc, tu vois, on n'a même pas pu... Bon. C'est pas... Je vais annoncer à Kishi la bonne nouvelle. Kishi doit commencer l'entraînement de la prochaine saison des novices tout de suite. Cela fait trop longtemps que de jeunes et forts guerriers n'émergent plus du sentier d'Ulysse pour renforcer la tribu d'Aigues-Mortes. Sous la tutelle de Kishi et de Mewajez, nous prospérerons. Cela sauvera-t-il la tribu d'Aigues-Mortes? J'hésite à me poser cette question. Boki m'a prévenu que la perte de tant de novices pouvait signifier la fin des Nagakure. Vous nous avez montré une meilleure voie à suivre. Si Kishi réussit et que la nouvelle saison des novices survit, cela nous suffira pour l'instant. Grosse erreur de notre part, je continue à répéter. Bon. C'est pas grave. Tu me diras, plus ils sortent de guerriers forts, plus il y en aura à tuer. On gagnera un temps fou. Je dois réfléchir à ce qui s'est passé. Parlez à Kishi dans la maison. Elle me parle. Trop mignon, mais... Ou les gars. Du coup, on peut parler à personne ici? Ils sont où les... Non, il est dans la maison à côté, Kishi. Où ça? Aux toilettes. Là. La maison de Boki. Ah oui, c'est son père, Boki. Ouais. Vos méthodes sont toujours aussi efficaces, Sire d'œuf. L'étranger après le lys sacré. Ah, Kishi. J'entends vos paroles, et ma crête se soulève de fierté. Laissez vos crêtes où je peux les voir. Il a la classe quand il s'assoit sur son micro. J'avoue. Parlons à Buki. 3, 2, 1, clic. Comment était-ce de prendre le lys sacré? Vos écailles ont-elles frémi, et vos épines ont-elles vibré d'extase et d'émerveillement? J'ai la chiasse si ça compte. Oh, merci d'avoir aidé mon fils de couver, et d'avoir survécu pour démontrer l'efficacité de mes méthodes. Bah, au revoir. Formidable. Et du coup, Kishi? 3, 2, 1, clic. Et de Naga vivent aussi longtemps que Boki. La plupart de nos guerriers meurent jeunes, mais pas mon sire de couvée. Elle a surmonté toutes les épreuves, par ruse et par prouesse. Ces leçons m'ont aidé à vous guider sur la voie d'Ulysse. Ouais, par contre, le cancer de la gorge, on n'a rien qu'on puisse faire. C'est désolé, là, mais c'est un peu baisé. Le chef de guerre veut que vous deveniez le nouvel entraîneur de guerre de la tribu. Je suis honoré et reconnaissant que mon plan ait fonctionné. Maintenant, je dois rebâtir la confiance des plus jeunes, faire en sorte que la prochaine couvée soit prête à arpenter le sentier. Les Aigues-Mortes feront toujours face à l'adversité,
Je veux leur donner les moyens d'y survivre. Le chef de guerre veut également que Mewajay vous assiste. Faire des œufs, des œufs. Le chef de guerre fait preuve de sagesse. Il faut pondre. Deux cadilites peuvent faire preuve de plus de sagesse qu'un seul, à condition que Mewajay coopère et accepte de travailler avec moi. Sinon, nous nous affronterons comme Boki et Chukala. Nous verrons bien. Bonne chance, Kishi. Merci, ami étranger. Pour un Eugel, vous faites un excellent guerrier, Nagakure. Prenez ceci en symbole de mon affection. Vous avez rendu un service fabuleux à ma tribu. Hey. Bon bah, non, mais bientôt. Ouais, cool. Attends, on va le tester à l'extérieur. Mais pardon, il y a Mewajay. Oh, attends. Et je refuse de demander pardon pour mes actions, Mewajay. Ce n'est pas la question. Vous avez accompli ce que je ne pouvais faire. Votre novice a survécu et suivi le sentier. Que voulez-vous dire, Mewajay? Je veux dire que vous avez mon soutien. Enseignez et j'apprendrai. Tes œufs, elle veut tes œufs. Alors, ensemble, nous rendrons les Ekmortes encore plus forts. Ouais. Tu veux parler à Mewajay? Ah non, moi je veux qu'ils se reproduisent, donc faut leur laisser leur intimité, là. Ok, mais Watches, 3, 2, 1, clic. Les étrangers, ils me donnent des démangeaisons aux écailles. Mais vous avez arpenté le sentier du Lys. Vous avez démontré votre force et votre honneur. J'en ferai autant. J'aiderai Kishi du mieux possible. Bon bah calmez vos crêtes, et parlons à Kishi une dernière fois. 3, 2, 1, clic. Je vous suis redevable, ami étranger. Sachez que la tribu d'Ekmortes vous viendra toujours en aide, au moins aussi longtemps que je servirai comme cadilite. Bon, et eh ben l'iguane... Tu vois, on a toute une tribu en... Oui, mais en c'est... alliés maintenant. Ouais, mais ouais. Ouais. Quels alliés? Maintenant, faut regarder ce que fait le même. Le genre d'allié que je mènerais dans une caverne pour qu'un monstre ancestral les bouffe, en fait, mais bon. On me dit c'est un memento pour interagir avec les étrangleuses apprivoisées. Sera utile pour trouver certains livres et objets de succès. Oui, tout à fait, hein. J'avais cru comprendre, c'était pas juste un memento de déco, hein. Ça sert vraiment en fait. Ah, mais c'est ce qui nous attire à. Oui, c'est les plantes. Pousser la plante à vous attirer à son emplacement. Donc c'est la même chose qu'on a eu là avec sa flèche. Voilà. C'est ça. Et maintenant ça. On peut le faire avec le memento. Sauf ça. Donc, peut débloquer des zones plantes, qui voulaient rien dire. Les plantes, ouais, on peut y aller. On peut mettre les memento en raccourci A, du coup on peut l'activer. Alors, comment tu fais déjà? Dans i inventaire, okay. Tout en haut à droite, il y a un raccourci là, le symbole de l'i. Et après, tu peux chercher memento. Moi, j'ai un rocher du feu qui s'appelle Fred. Attends, comment je le cherche le... Ah oui, attends, non, memento, c'est où? C'est là, memento. Et donc, on va mettre. Alors, c'est rocher à feu. Rocher de feu Fred, ouais. Ouais, c'est Fred. Ok. Non, bah voilà. Et donc, il nous reste. Prenez le marteau. Allez chercher le marteau. J'avais un marteau. Ah bon, c'est le corbeau. D'accord. Et ça ne fait rien lorsque tu t'en sers. Non. Non, faut vraiment qu'il y ait une étrangleuse. Ouais, pour ça. Et voilà le marteau. Ah ben voici le marteau. Donc petit demi-tour et retournons au pré. T'avais vu le livre là, Tribu de Tourbevase? Ouais, j'en ai déjà vu, il y en a plein. C'est pas eu forcément dans le bon sens, mais... En tout cas, j'espère qu'on reviendra auprès des Argoniens civilisés bientôt, parce que... Non, ces peuples primitifs parmi les peuples primitifs. Il faut détruire ce qui a été créé. Vite, brisez le monument avec votre marteau. Ah, c'est culturel. Voilà. Bon, j'ai cassé le truc, à vous. C'est fait. Eh ben, parlons-lui. 3, 2, 1, clic. Quelle gloire, chaos, destruction. Nous avons vraiment honoré Citis aujourd'hui.
Et ma récompense? Bien sûr. Je suis peut-être prêtre, mais je ne demande pas la charité. Salut Titavia, merci beaucoup. Et puis, vous avez été d'une aide exemplaire. Nous avons créé ce qui n'était pas et détruit ce qui était. Telle est la volonté du changement. Telle est la volonté de Citis. Accomplir la quête. Voulez-vous me poser d'autres questions? L'honneur m'impose de répondre à toute question concernant Citis. Bon, par culture, parlez-moi de Citis, juste. Vas-y. Parlez-moi de Citis. Avant la création, il n'y avait que le néant. Rien. Mais même le rien doit changer. Citis a brisé le rien, créant la possibilité de quelque chose. Les idées ont émergé et se sont évanouies, comme doivent le faire toutes choses. Comme le font toutes choses. C'est... inexact, mais c'est une interprétation qui dans sa... Comment ça s'appelle? T'es qui pour pouvoir, en tant qu'étranger, dire à un argonien qu'il a tort? Hein, bah, voilà. celui dont la culture a issu le dieu ultime, Talos. Donc, y a quand même une marge hein, de progression, voilà. Et quoique, toi, t'es bien pour parler, parce que t'as le dieu qui a le... Enfin, t'as pas le dieu, mais t'as la culture avec le Undin. Donc, quelque part aussi, tu vois. Et les elfes noirs, ils peuvent parler aussi. Il y a Vivek, mon gars, donc ça parle bien. Les elfes blancs aussi, ils peuvent parler, tu vois. Bon, après, voilà. Les Khajiits... Les Arganais, ils ont pas le droit de parler. Quelque part, les Khajiits, ils peuvent parler... Parce qu'en fait, un jour, toute leur population Khajiit a tellement été sucrée au sucre lune qu'ils se sont dit « Oh mec, frère, faudrait qu'on aille sur la lune elle est en sucre lune, je te jure. Ah ouais, mais frère, comment on fait pour y aller? Oh, je sais pas, monte sur mes épaules. Oh, c'est trop, frère, je l'atteins pas. Bah attends, on appelle les autres. Quoi? Mavia, on essaie d'aller sur la lune. Oh, pourquoi? Parce qu'elle est en sucre lune, mon gars. Ok, j'arrive. Et en fait, toute leur population était entièrement défoncée au sucre lune. Je dis toute la population, hein, donc ils ont le million fait une de échelle. Et ils ont littéralement fait une échelle. Et en fait, comme ils y ont tous cru en même temps, il y a eu un espèce, tu sais, le mentalement, le fait que quand tout le monde y croit, ça crée les miracles. C'est comme ça, hein, c'est le principe du rêve. Et du coup, ils sont vraiment allés sur la lune, en fait. Et il y a eu une colonie dans la première ère, il y a eu une colonie Khajiit sur la lune. C'est non mais c'est historique. Pas ça chez vous, ça te marche. C'est historique. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc c'est comme les orques dans Warhammer qui croient que se peindre en rouge ça va plus vite en fait. Comme ils mettent toutes leurs croyances dedans, et ben leur capacité psionique latente s'associe et crée réellement une différence de vitesse. Voilà, c'est exactement ça. C'est le placebo mais qui a une et du coup, est-ce que la lune était en sucre lune? On ne sait pas. On ne sait pas, mais personnellement, je veux pas le savoir, tu vois, c'est pour ça. Donc, voilà, c'est pour ça. Bon. Du coup, voilà, c'est street cred. Le fait qu'ils disent que Citis a brisé le lien, Citis est le cœur de Padomé, je rappelle. Citis est le fragment. Citis est ce qui a été brisé de l'Orcane. Donc, comment on appelle, tu sais, les vidéos YouTube qui t'expliquent les choses simples mais sans rentrer dans les détails? La bâtardisation, la simplification. Vulgarisation, merci. Ouais. Voilà. C'est une vulgarisation religieuse, mais en tant que vulgarisation, elle tient la route. Voilà. Okay. Et pourquoi les Argoniens vénèrent-ils Citis? Nous vénérons le changement qu'ils cherchent à apporter. Il fut un temps où nous nous protégions de cette bénédiction en devenant de la pierre. Nous bâtissions des monuments à Citis, non pas par révérence, mais par peur. Ne nous changez pas, gênions-nous. Ne nous laissez pas mourir. Et ensuite? Nul ne le sait. Peut-être que Citis a effrité nos cœurs de pierre. Peut-être que List cherchait notre compagnie, sentant nos pieds arpenter ses racines. En tout cas, les jours des nids de pierre prirent fin, comme toute chose. Toute chose est amenée à prendre fin. C'est assez effrayant ce qu'il raconte, parce que c'est pas que c'est effrayant, mais dans des kalpas précédents, il faut savoir que les Argoniens se réincarnent, bien sûr, et que leurs âmes sont immortelles, mais leurs formes sont différentes. Donc il y a peut-être eu un kalpa précédent dans lequel c'était des golems. Donc tu vois, ça, il y a une logique, tu vois, il y a pas de. Mm-hmm. Et puis ils ont peau de pierre aussi, donc. Et comme quoi ça tient, hein, ça tient la route en fait. Est-ce pour cela que vous m'avez demandé de détruire le monument? Je voulais transformer les échos des folies de notre passé en révérence tranquille d'aujourd'hui. Mais un jour, cela aussi prendra fin.
nos croyances, notre culture, notre peuple. Tout changera, car tout doit changer. Et alors, tout retournera au néant. Bon. Moi, j'avais double-cliqué, j'ai loupé le passage. Justement, je me demandais avant si... quand il disait on se cachait derrière la pierre, pour toi, c'était... C'était littéral, c'était pas on a construit des monuments, on a construit des trucs comme ça pour se cacher derrière. Peut-être, peut-être, mais ils ont peau de pierre, tu vois, il me semble. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont les écailles, c'est vrai qu'ils ont le... et qu'on ne sait pas très bien d'où ils viennent non plus, tu vois. Donc les Argoniens, ouais, encore une fois, ça pourrait être une relativisation par rapport à leur existence précédente, dont on ignore tout. Alors que les Rouge-Garde, par exemple, par rapport aux Yokudan, qui eux viennent de la civilisation, enfin du Kalpa précédent, eux c'était des Yokudan avant. C'est, ça a toujours été des Rouge-Garde, tu vois ce que je veux dire. C'était pas des singes avant, c'était des Rouge-Garde. Y a pas de mystère, tu vois. Et d'ailleurs, si tu cherches des hommes singes, il y en a, hein, mais faut aller sur l'autre continent. Celui qui se trouve à droite et qui s'appelle, c'est pas Tamriel, c'est merde, putain, Akavir, non c'est pas Akavir, perdu le nom, Akavir, si c'est ça, c'est Akavir, Akavir. Ouais, il y a deux continents en fait, hein. C'est comme le continent où il y a l'Europe, l'Afrique et tout le merdier et les États-Unis, tu vois, c'est deux gros morceaux de terrain. Très bien. Et Akavir aurait pu être un setup très intéressant pour The Elder Scrolls 6, mais bon, ça vend moins les Rouge-Garde. Ouais. Que les Rouge-Garde et les Bretons, parce que les Chevaliers, c'est hot shit. Du coup, je me dis, retrouver Famille à son bureau. Moi, je dirais bien, on s'arrête là pour ce soir. Et ben, on ouvre les caisses. Allez. Je préfère pas trop forcer là. Ouais, tu fais bien. Les caisses. Je pense que la prochaine fois, on. Oui, on va les ouvrir les caisses. La prochaine fois, on devrait finir la zone, je pense. Et la prochaine fois, ça coïncidera avec notre dernière soirée avec le partenariat. Les caisses. Je pense qu'on devrait pouvoir finir la zone la prochaine fois. Les caisses. Alors, vas-y, on est devant les caisses. City, j'ai compris qu'on n'avait rien à foutre de ce que je disais. Non, mais c'est pas grave. City, ça donnait son cœur à son avatar, Lorcan, donc le cœur de Lorcan est en réalité le cœur de City. Tout à fait, c'est pour ça que City s'est représenté avec un vide au niveau de la poitrine. Mes excuses, j'avais confondu. Donc, allons-y. Double caisse d'Alojla, vous êtes prêts? Allez. La caisse. Allez, chaton. Caisse. Oh là là, ça brille jaune. Oh là là. Qu'une seule bleue. Une bleue. Un parchemin d'expérience, yay. Yeah. Bon, et la dernière. Dernière caisse. Une sauce. Que du bleu. Encore qu'une bleue. C'était nul, mes 4 caisses, quand même. Et j'ai pas eu grand-chose. Ouais, mais en même temps, je pense qu'on a bien... C'est des trucs que j'ai déjà, en plus. On a bien, voilà, on a bien épuisé le sujet aussi. Hein. J'ai 500 gemmes à couronne, c'est quand même pas mal. Je pense qu'avec ça, je peux même choper des offres limitées. Ah, Nedge d'Alpha, j'ai une cinquième. Vas-y. Quelle couleur? J'ai pas vu la couleur, j'ai pas vu. Ah, peut-être rouge. Oh, j'ai pas vu les couleurs, donc j'ai eu un parchemin d'XP légendaire. Bien joué. J'ai eu un parchemin d'XP normal et la cinquième, ours polaire. Oh. Bon, je l'avais déjà, mais c'est cool. Oh non. Je l'ai pas, file ton ours polaire. La tristesse. Oh, le jeune coq démoniaque. C'est dommage, quitte à avoir une monture, une que t'as déjà, quoi. Est-ce que tu avais le chameau de Bob? Non. Ouais. Non, tu vois, t'aurais été heureux avec un chameau. Ben ouais. Motif des apôtres. Motif la garde d'Abar. Motif ombre ébène. Ouf. Ours polaire Atmoran, stylé. Zombie. Ah, tu regardes ce que tu peux acheter? Ouais, je regardais les trucs épiques, tout ça. Marquage faciaux. Oh, c'est stylé. Qu'est-ce que ça couronne? Robe de sorcière de Glenmoril, Burk. Je sais pas. Récompense légendaire. Le jeune coq est mignon. Ouais, le coq est sympa, ouais. T'as le petit ourson pour aller avec ta monture? Le petit ourson? Non, même pas. Voilà, il t'aurait filé le petit ourson. Eh ouais, ça aurait été vachement mieux. Ah, t'aurais tout gagné. Flipper le cheval zombie quand même. T'aurais tout gagné. Moi j'en profite pour modifier les apparences, hein, bien sûr, il faut. Hein. Il faut toujours. Barre diagonale, marquage, pilosité faciale. Mais qu'il est tellement parfaite, bien cette robe. J'avoue.
ça lui va bien comme ça. Donc le reste, j'ai quasi tout. On est bien, on est bien. Moi je suis plutôt pas mal. J'aime bien comme ils sont tous habillés en mode Mortal Kombat. Qu'est-ce qui se passe? C'est les pandas. C'est les pandas de World of Warcraft. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ça veut rien dire. Bon bah écoutez, on est plutôt pas mal. Et bah écoute, on finit tous sur un slash tambour, slash drum, pour la beauté de la forme. Allez. On a fait nos quêtes, on a avancé un peu dans l'histoire, hein, c'est plutôt agréable. On a compris un peu plus de choses par rapport à la culture des Zargoniens. On a l'arbre de Hyst avec les plantes bleues qui continuent à lâcher du pollen à l'infini juste au-dessus. On a failli ensemencer plusieurs Zargoniennes, bref, les vraies aventures. Des vrais os, c'est ça. La base, le plaisir. Le tourbe vase. Dans tous les cas, chers amis, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour encore plus d'aventures. Et peut-être avec de la chance, on pourra en finir avec ce DLC parce que on commence à avoir fait le tour de la avec map. De la chance. De la chance. Non, c'est peut-être pas ça. Que si on est chanceux. C'est pas ça. C'est juste que on commence à avoir fait le tour de la map, quoi. Je regarde. C'est vrai. C'est pas vrai, très grand. Hein, c'est pas très grand. Donc il nous reste un petit bout au nord, je pense. Ouais, ça va bien se faire. Ça va bien se faire. Mais ça doit être possible. Ça doit être possible. On a fait le tour. On a fait le tour. Dans tous les cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Allez, bisous. Ciao. Ciao.